Okay. Welcome, welcome. Let's go, let's go, welcome let's go. Back. Hey, welcome back. This is back. Serious right now. Welcome back. Like we never left. Oh, yeah. We're back. We're back. We're back. Tell we're someone. Back. We're back. We're back. We are back. Man, we are back. Man, je pense qu'on va dire ça pendant tout le long de show aujourd'hui. We're back. Okay, we're back. Okay, yes. We're back. Okay, let's go, let's go, let's go. Welcome. Double date, double date. Season two. Season two. Let's go. Let's go. Double date. Double date. Season two. Come on now. Double date. Double date. Season two. Let's go. Double date. Double date. Season two. Here we go now. Double date. Double date. Season two. Let's go. Double date. Double date. Season two. Woo! Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go, everyone. Let's go. On est déjà go. À 227 personnes. Here we go, here it we go, here we go. Up. It has to go up. It has to go up. Parce que vous nous l'avez demandé hey. À maintes reprises. Yeah. Alors, finally, nous y voilà. À la deuxième saison de notre très populaire talk show chrétien Double Date. Écoutez, ça a été vraiment... une merveilleuse première saison l'année passée. On a eu plusieurs couples, yes. des gens que nous avons découverts, des gens que vous avez découverts. Yes. Il y a eu des témoignages incroyables Incroyable. Au travers de émouvant. Ces... Émouvants. Édifiants. Profonds. Wow! Puissants. Hey. Mais je sais que le Dieu cancer nous amène toujours de gloire. De gloire. En gloire. En gloire. Oh, oui. Alors cette deuxième saison, oh, oui. vous pouvez avoir les mêmes attentes Comment? Si ce n'est pas plus. Comment? Si ce n'est pas plus. Comment? Je suis contente de voir toutes les feux, les cœurs, les enfin. It was powerful. Meilleure les émission finally. Ever. Finally. Yes. Amen. Amen. My man. You know what time Alors, it is? Alors je vois. Yves, elle a dit, j'ai déjà partagé. Donc ça, ce sont les habitués. Ça, c'est les gens qui connaissent. Si toi, tu viens d'arriver. What's good? Il faut que tu rentres maintenant dans la game. Mm-hmm. Okay? Il faut, ne reste pas en arrière. C'est tout ce qu'on peut te demander. Please ne reste pas en arrière. Please don't do that. Tu vas voir un bouton en bas de ton écran. Juste en bas. Tu peux déjà cliquer sur la petite flèche. On your right. Et partager à au moins 10 personnes de ton entourage. Comment, comment? Si tu suis en rediffusion. Woo! Please. Mm. Make sure que tu fasses un beau screenshot et que tu nous tagues dans tes stories. Comment? Parce que les gens doivent réellement rentrer dans ce mouvement. Absolument, absolument, absolument. Oh, oui, alors s'il te plaît. Yes, ah oui, ah oui. We're too excited right now. We're too excited yes, right yes, now. Yes. Même nous, je pense qu'on attendait ce moment. Grave. Vous vous rendez compte que durant toute l'année 2020, après qu'on ait fini au la mois de... La première saison, on l'a fini en juin. Ouais, juin, c'est Donc ça. Donc, on a commencé au mois de mai. Ouais, on a terminé au mois de juin. Ouais. Depuis le mois de juin jusqu'à maintenant, il y a toujours quelqu'un. Et c'est quand le prochain Double Day? Et c'est quand le Double Day? Même quand on faisait des lives sur d'autres sujets. Sur d'autres sujets. C'était, Double Day, Double Day, seulement. OK, vos Double Day reviennent quand? Wow. On est comme, OK, OK. Mais c'était en préparation dans les coulisses. Absolument, absolument, c'était absolument. C'était en préparation. Parce que vous comprenez que nous devons vous faire du bien. Ouais. Écouter ce que le peuple voulait. Ouais, et ouais, vraiment, ouais, ouais. C'était une deuxième saison. Et voilà, nous sommes à la deuxième saison. On est tellement, 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 yes. tellement contents. We are back. Welcome back. Welcome back, everyone. Woo! Vraiment, les commentaires sont en train de défiler incroyable, vite. Incroyable, incroyable. On peut pas tout lire, mais vraiment, merci pour vos compliments. Merci Tata d'être Nifa, là. Tu es tellement belle. Oh, Oh my guys, God, thank Nifa. You. Wow. You guys are so sweet. I love you guys so much. Woo! Vraiment, vous nous avez manqué. Hey! Cette émission nous a manqué. L'atmosphère de ce live nous a manqué. Hey! We are so happy to be back. Vraiment. Hey! Et merci d'être présent au rendez-vous. On est à près de 350 personnes là maintenant en ligne. Good, et nous bénissons le Seigneur parce que vraiment, on avait hâte. On avait yes, hâte. Yes, on avait yes, plus yes. hâte que vous, en yes, tout yes. cas. Yes, je vois des gars des hommes distingués, du groupe Hommes Distingués. Yes! Shout out! Big shout-out yes. to les hommes distingués. Big shout-out. Yeah, big shout-out aussi aux femmes exceptionnelles, s'il vous plaît. Femmes exceptionnelles. I feel you, I feel you, Vraiment. I feel you. Vraiment.
Nous sommes super, super contents que vous soyez connectés avec nous. Donc, ça, c'est les gens qui sont dans nos... Yes! Ça, c'est les gens qui sont dans nos plateformes privées. Ouais, dans nos plateformes privées, dans les différentes plateformes. On va justement profiter exactement pour nous présenter. Peut-être que c'est la première fois que tu nous suis. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Who are they? Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, on va prendre le temps quand même de vous laisser savoir qui nous sommes. Alors, je suis Nifa Kumpesa. Et je suis accompagnée de mon cher époux, Joey Kumpesa. Vraiment, nous sommes le couple Kumpesa, les fondateurs du ministère et de cette entreprise nommée Couronnée d'amour. Alors, nous avons pour mission de pouvoir réellement équiper les couples et même préparer les célibataires. On vous a pas oublié. Pour que vous puissiez avoir un mariage solide, harmonieux et qui a de l'influence. Alors, si c'est ta première fois de te connecter à un de nos lives, Welcome. À l'aise, vraiment, ici, tu vas voir que nous enseignons sur tout ce qui a trait aux relations amoureuses sans tabou. Sans tabou. Ok, sans tabou. Et si tu veux découvrir les nombreux produits que nous avons, rends-toi sur le site que tu vois sur l'écran en ce moment, donc le www.couronnedamour.ca. Tu vas remarquer que couronné, il n'y a pas d'accent et c'est au pluriel. .ca, parce que nous sommes du Canada. So, vraiment, rejoins notre plateforme. Tu vas voir aussi sur le site la possibilité de rentrer dans nos groupes privés, comme on a dit tout à l'heure. Vraiment, tu vas découvrir les nombreux produits qu'on a pour toi. OK? So, that's the first thing. C'est très important. Donc, Joey et moi, nous sommes réellement des conférenciers. Tu le vois sur l'image ici. Ça, c'était à... Est-ce que c'était notre dernière conférence, ça, babe? C'était la... Ouais, le dernier live conference. Dernière conférence avant le confinement. À Montréal, au Canada, dans notre ville. C'était le Love Bootcamp Montreal. Oui, exactement. Très bonne mémoire. Donc, nous sommes conférenciers et nous sommes également auteurs. Nous avons écrit notre tout premier livre. Alors, le livre du scandale au miracle. Mais est-ce que tu peux aller chercher le livre? Quand même. Alors, nous sommes réellement auteurs du livre. Nous avons écrit notre premier livre que nous avons lancé cette année. Il s'intitule Du scandale au miracle. Donc, il raconte réellement notre témoignage. Un témoignage d'espoir. Un témoignage de restauration qui va vraiment, vraiment, vraiment vous faire du bien. OK, et c'est à cause justement du fait qu'on ait partagé notre témoignage et quand on a vu comment les gens étaient bénis par ça, on s'est dit waouh, c'est sûr que il y a d'autres couples qui ont également des témoignages tout aussi édifiants que le nôtre et qui méritent d'être écoutés. Et c'est de là que nous est venue l'idée du double date. Donc yeah, here it is. So we are so happy, vraiment, on vous invite à pouvoir le commander sur notre site. OK. Donc au www.duscandaleaumiracle.com, c'est vraiment une histoire qui va vous bénir, qui va vous édifier, qui va vous transformer. Vraiment au milieu de ces pages, il y a notre cœur, littéralement. Il y a notre cœur, on s'est confié, on l'a écrit en pleurant, on l'a écrit en riant, on l'a écrit vraiment avec beaucoup beaucoup d'amour et lis une phrase. Non. Non. Hey, on est au double date. Double date. On est au double date. Donc vraiment, on veut pas. Aller là-dessus, mais comme on l'a dit, pour le commander, www.duscandaleaumiracle.com. Juste le titre, ça vous donne déjà une idée de quoi va parler le livre, OK? Alors, pour terminer, on aimerait quand même vous parler de cette émission qui est le Double Date. Je pense que je l'ai dit pendant que j'étais en train de nous présenter. C'est vraiment un talk show chrétien qui a pour but de pouvoir réellement vous édifier. OK, donc le concept, c'est qu'on invite un couple et c'est avec ce couple qu'on fait justement le Double Date. OK. Et ce couple-là va vous édifier grâce à leur témoignage. Donc, on croit réellement à la puissance du témoignage parce que la Bible nous dit qu'ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de des paroles de leur témoignage. Exactement. Oui. Yes. Donc, vraiment, c'est ça la vision de cette émission. C'est une émission où vous allez rire, vous allez vous sentir à l'aise, vous allez vous amuser, mais surtout, vous allez être touchés. OK, donc ayez des attentes bien élevées par rapport à ce que le Seigneur peut faire. Absolument, absolument. Comme vous le savez, il y a encore la pandémie à l'extérieur et c'était vraiment venu
pour nous soutenir pendant ce moment-là. Quand je dis nous soutenir, c'est-à-dire que même nous, ça nous a fait du bien entendre le témoignage, l'histoire de tout un chacun. Parce qu'on l'a lancé en pleine pandémie. En pleine pandémie, l'année dernière. Voilà. Et franchement, ça n'a pas déçu. Et on est tellement content d'être là pour un season 2. Yes! Donc, on aimerait aussi vous laisser savoir qu'il y a le site du show. Ok, inscrivez-vous sur ce site-là pour connaître à l'avance qui seront les invités. Vous recevrez d'autres surprises et vous avez aussi la possibilité de pouvoir faire de la publicité de votre entreprise, votre projet. Donc, on peut faire la publicité pour vous. Oui. Ok, donc on va commencer à le faire parce qu'on l'avait déjà mis sur nos réseaux sociaux et il y a plusieurs entreprises qui nous ont demandé de faire leur publicité au travers des émissions. On va commencer à partir de la semaine prochaine. Yes. Ok, mais si toi aussi tu veux qu'on fasse ta publicité, si tu as un produit à offrir, un article, un livre, peut-être que tu es un chanteur, je ne sais pas, peu importe. Écris-nous le lien de notre adresse email plutôt et sur notre bio, donc info@commercialcouronnedamour.com. Et voilà, tu recevras toute l'information pour que toi aussi tu puisses profiter de publicité durant le show. Alors, ceci étant dit, I think we're gonna start, babe. Hey! I think we're gonna start. Okay, so. Let's go. We're too excited right now, okay? Yes. S'il vous plaît, invitez le maximum de personnes. On vous a dit au départ 10 personnes. Let's scratch that. 20 people. Toute ta liste. Pourquoi? Parce que là, on va commencer. Yes. Ok, je pense que nos invités doivent être là. Ouais, nos invités doivent être là. Alors, on va juste s'assurer s'ils sont déjà... Pas encore. Alors, on va attendre qu'ils nous envoient une demande. Sinon, je vais voir si moi-même, je peux leur envoyer une demande. Mais je pense que c'est eux qui doivent nous envoyer une demande. Donc, si vous êtes là, peut-être sortez, re-rentrez. Ensuite, vous pouvez nous envoyer directement la demande et on vous introduit dans la vidéo. Pour tous ceux qui sont en train de complimenter mes cheveux, thank you everyone. Alors, c'est la gracieuseté de ma très chère Farah. Donc, vous pouvez la trouver sur les réseaux sociaux au nom de Farah Mac, F-A-R-A-H. M-A-C-K, avec un petit underscore. Donc, elle est très facile à trouver sur les réseaux sociaux. Et vraiment, dites-lui que vous êtes contente de ma coiffure. Dites-lui que vous êtes fière de son travail. Et surtout, suivez-la et prenez ses services. OK? Donc, finalement, la publicité commence maintenant. Là, c'est ça, hein? C'est comme... J'avais dit next week, mais j'ai trop de compliments. It's like that. OK, merci, alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, nous allons réellement commencer. Yes. So... Le couple d'aujourd'hui. Mm-hmm. Okay. C'est un couple très très spécial. Yes, Nous les aimons énormément. Yes. Nous les connaissons personnellement. Ouais. On a eu à échanger avec eux énormément. Ouais. L'époux a eu à le voir. Bon, il a eu à venir. Au Canada. Parce qu'ils sont pas du Canada. Ils nous viennent tout droit de la France. Yes. Bien plus précisément de Meaux. Yes. En France. Est-ce qu'il y a des gens de Meaux ici? Les gens de la France. Les gens de la ville de Meaux. Yes. On a eu plaisir à visiter quand on avait été donner une conférence en France. Absolument. On a fait un petit crochet à Meaux. Absolument. On a eu à échanger avec eux là-bas. On a eu à échanger avec eux ici, au Canada également. Mm-hmm. Franchement, ils sont formidables. Yes. Ils œuvrent tous les deux à l'église du pasteur Le Lion Pierre-Yves Chaubeau, à l'église La Chapelle de la Foi. Et aujourd'hui, nous sommes avec son fils qui est aussi nouvellement pasteur. Yes. Alors, nous les invitons et son épouse. Alors, on les invite sous peu. Maintenant. Alors, nous les invitons. Let's go. Aidez-nous à accueillir tout droit de Meaux le couple que nous appelons ici. Nous attendons. Yeah. Le couple Jordan et Gwen Chaubeau. Est-ce qu'on peut voir des cœurs? Yes. Vous nous entendez bien? Oui. Bien. Très bien.
Vous nous entendez bien? Oui. Extraordinairement bien, on vous entend bien. Super, super, super. On se réajuste. Fantastique, fantastique, fantastique. All right. Merveilleux, all right, merveilleux, all merveilleux, right. Merveilleux, merveilleux. Comment ça va? Comment ça va? Super, méga, super, extraordinairement bien. Waouh, 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 wow. Ça c'est bon. Mais là, on ne te voit plus. Hein. Il faudrait peut-être reculer un tout petit peu. Ouais. Comme ça, on va mieux te voir. Pour ne pas que ce soit coupé. Alors, vous me dites si c'est bon? Oui, 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 là c'est bon déjà. C'est mieux comme ça? Ouais. Là, c'est excellent, bon, c'est bon. Excellent, excellent. Là, vous nous entendez bien? Oui, on vous entend bien, on vous appelle. How are you, Gwen? Ça va, et vous? Très bien, super très bien. Bien, très bien, très bien, très bien. Alors, on laisse vraiment les gens. Ah, voilà, waouh, super, super. Donc, les gens sont ultra contents. Yes. C'est merveilleux, c'est merveilleux, merci c'est merveilleux. Merci pour l'accueil, les amis. Merci yes. pour les cœurs. Yes. Merci vraiment yes. d'accueillir yes. nos invités aussi chaleureusement. Oui. Merci beaucoup, 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 beaucoup. Même si tu suis en rediffusion, mets des commentaires parce qu'on va les lire, on va les voir et ça va nous faire du bien. Absolument. All right, all right, let's go. Wonderful, wonderful. Alors, les amis, merci encore d'avoir accepté notre merci invitation. Beaucoup. Merci. Merci, merci, merci. C'est pas un acquis du tout. C'est la première émission. Alors, vraiment, on est extrêmement, extrêmement content de oui. vous avoir. Oui. Alors, sans plus tarder. Yes. It has to happen on right vous now. Écouter. On a trop parlé. Maintenant, c'est vous. Vous écoutez, on vous écoute. Comment est-ce que cette histoire d'amour a réellement commencé? Au sein du couple Chauveau. Let's go. Bah déjà, premièrement, dans un premier temps, on aimerait vraiment remercier le Seigneur déjà pour cette opportunité de Amen. Pouvoir, en tout cas, échanger avec vous sur ce double date, ok? C'est vraiment pour nous vraiment un honneur et un privilège d'être là. Et ce que j'aimerais juste, dans un premier temps, c'est juste qu'on puisse rapidement se présenter rapidement. Oui. Et de dire brièvement ce qu'on fait un peu dans la vie, puis après on va rentrer dans les choses croustillantes. Yes. Vas-y. Let's go. Alors, je vais laisser honneur à mon épouse à se présenter. Oui. Alors, voilà, je m'appelle Gwenaëlle. Donc, je suis étudiante en droit, épouse de Pasteur Jordan, qui est du coup pasteur au sein de l'église La Chapelle de la Foi, à Meaux, en France. Mm-hmm. Et, voilà, je l'aide dans le ministère avec les jeunes. Magnifique. Et moi, pour ma part, donc, moi, c'est Jordan. Donc, je suis récemment pasteur. Voilà, donc ordonné il n'y a pas très, très, très longtemps. Donc, je vraiment, est-ce qu'on peut encore applaudir pour cela, franchement? Récemment pasteur. This is an amazing. Absolument. Absolument. Gloire soit rendue au Seigneur. Wow. Bah, toute la gloire est au Seigneur. Donc, récemment ordonné pasteur. Et je suis cadre dans un grand groupe français. Actuellement, je suis aussi à la fois aussi un peu investisseur sur tout ce qui est marché financier. Et, yes. Et puis voilà, je pense que c'est déjà quelque chose qui est aussi très, très, très bien. Oui, tout à fait. Super, super, magnifique. Super, super, super. Ah, mais ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est yes. bon. Alors, du coup, je pense qu'on peut alors commencer. Les gens veulent savoir, les gens ouais. veulent savoir. Certainement qu'il y a quand même des gens qui vous connaissent, d'autres personnes. Oui. C'est la toute première fois. Bon, les gens vous connaissent à cause de la petite phrase que vous nous avez donnée, la petite phrase qui nous a laissé dans le suspense. La personne que tu sais que c'est la femme de ta vie ou l'homme de ta vie, puis finalement, elle doit partir à 500 km sans que tu n'aies pu lui dire. En tout cas, c'est tout ce qu'on sait. Les amis, tous ceux qui, les 539 personnes qui sont connectées, nous aussi, c'est tout ce qu'on sait. Okay? Donc, on est dans le suspense avec vous et on a plus que hâte d'entendre le couple Chauveau nous expliquer. Mais... How did that happen? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, imaginez-vous, vous êtes en vacances dans une ville et vous allez dans une église. Et vous avez une sensation. C'est la première fois que vous rentrez dans l'église, hein, mais c'est comme si, vous voyez dans les films, cette sensation de déjà-vu, comme si on était déjà venu là, on ne sait pas comment. Ben, quand je suis venue dans l'église à la chapelle de la foi, c'est cette sensation-là que j'ai eue. Comme si j'avais déjà vu, j'étais déjà venue. Mais ça, c'était rien comparé à ce qui s'est passé après. Donc voilà, je suis dans l'église, je me sens vraiment... Et j'étais en vacances, hein. J'étais vraiment en vacances chez de la famille. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup... Plusieurs dimanches, je suis venue pendant mes vacances et un jour, je l'ai vu.
Là, on est en quelle année exactement? C'est ça. On est en quelle année exactement? On est en 2015, juillet 2015. Wow, okay. Okay. Parfait. Donc voilà, donc je l'ai vu au loin, donc moi j'étais en vacances, donc j'étais au fond de l'église le dimanche, voilà, j'arrivais à 10h, un petit peu en retard des fois, lui il était tout devant, et quand je l'ai vu, je me suis dit, ouais quand même, waouh. Non mais quand même, quand même. On veut savoir, est-ce qu'il avait des cheveux? On veut savoir s'il avait des cheveux, on veut juste savoir. On veut juste savoir si c'était déjà comme ça ou... Hein? Il n'était pas du tout comme ça. Pas de barbe, pas de cheveux, rien. Waouh! Ok! 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 Il fallait qu'on demande les photos. Ouais, c'est ça, hein. Prochainement, on demandera prochainement, les photos. Prochainement, vraiment. Montrez la photo de depuis là. Vas-y, continuons. Et du coup, bah, ça en est resté là. Donc, bon, on m'a dit, bon, bah voilà, il s'appelle Jordan. En plus, on m'a donné le mauvais âge. On m'a dit, ouais, il a tel âge et tout ça. Il fait telle chose. Enfin, voilà, on me donnait des petits renseignements comme ça, à droite, à gauche. Et bon, moi, je n'étais pas dans une optique de je recherche quelqu'un. J'étais juste en vacances comme ça. Mmh. En plus, j'habitais quand même à 3h30 de route. Wow. De nouveau, donc voilà, j'étais vraiment en vacances, j'étais pas dans cette optique là et comment vous dire, je me suis retrouvée un jour comme ça, on parlait mariage et tout ça parce que voilà, on était qu'entre filles, donc du coup on parlait mariage avec ma maman et ah ouais, notre sujet préféré, voilà, et puis on en est arrivé à oui, voilà, ton mari ta 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 ta, et puis là, j'ai quelqu'un qui me dit, mais il faut que tu demandes au Seigneur le jour où voilà, tu vas te sentir prête, etc. Qui est ton mari? Qui sera ton mari? Il faut que Dieu te révèle ces choses-là. Donc, j'ai dit, bon, d'accord. Donc, j'ai fait comme ça. J'ai dit, bon, bah, Seigneur, révèle-moi qui est mon mari. Mais j'attendais rien de... Moi, c'était mes études. Le Seigneur, Le vendredi, le samedi, donc là, on est vraiment fin août 2015, septembre 2015, j'ai un rêve. Et le Seigneur me montre clairement que je suis avec Jordan. Je ne lui avais jamais parlé avant. On s'était pas parlé, pas de message, rien. Je le voyais juste au loin, à l'église, comme ça. Il savait pas qui il était, je savais pas qui il était. Et là, le Seigneur me montre clairement. Je suis devant l'église et on est en train de rire ensemble. Deuxième rêve, la même nuit, hein, j'enchaîne les rêves non-stop. Je vois qu'on est en train de rire, je vois qu'on est en train de se bousculer comme ça, on rigole, on parle. Et à partir de ce jour-là, tous les soirs, toutes les nuits, j'avais des rêves et je voyais, on était complices, on était en train de manger, on était en train de rigoler, on trouvait les magasins. J'ai dit, mais... J'ai demandé à cette époque-là une autorité spirituelle. J'ai dit, voilà, moi, je ne veux pas faire quelque chose de mal. Je ne veux pas être dans la convoitise. Oui. Très sage. J'ai juste fait une prière comme ça et je me retrouve à rêver du fils du pasteur alors que, voilà, je suis juste en vacances là. Je viens là le dimanche passer un temps avec le Seigneur et je me retrouve à avoir des rêves comme ça de quelqu'un à qui je n'ai jamais parlé. On m'a donné des informations comme ça, vite fait. Je sais juste que c'est le fils du pasteur, qu'il est orgueilleux et tout ça. C'est tout ce qu'on m'a dit. Laisse-moi boire un peu. Hein. Laisse-moi boire un peu. Let me drink some. Ça commence bien. J'aime ce date. Parce que là, on est rentré dans l'orgueil. Aïe. Vas-y, Gwena, c'est un bon flow, j'aime ça. Bon, me voilà, donc voilà, les jours passent et le dimanche arrive. Donc je me dis, wow, là, c'est pas, on n'est plus dans la même optique, là. Là, j'ai rêvé de lui plusieurs fois, je l'ai vu rire à l'église, je ne le voyais jamais rire. Toujours rababaragara, toujours devant, en train de crier. Je me disais, c'est ma chair, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai dit, c'est pas possible, ça y est, je me suis dit, oh, le gars est beau. J'ai dit, non. Et là, souvenez-vous la sensation que j'avais eue quand j'étais rentrée dans l'église la première fois. Je l'ai vu devant et j'ai eu la même sensation, comme si je l'avais toujours connu. Comme si
où il y avait un truc, il y a une connexion. Quand je l'ai vu, je suis rentrée dans l'église ce dimanche-là. Je ne sais pas, dans l'esprit, j'ai senti qu'il y avait une connexion. Il y avait un truc qui s'était passé entre le moment où j'avais eu le rêve et le moment où je l'ai revu dans l'église. Oh, come on. Come on. Il y avait quelque chose qui avait bougé dans le monde de l'esprit. Et là, j'ai dit non. Ça, là, ça peut être que Dieu. C'est pas ma chair, c'est... Non, là, c'est vraiment Dieu qui me montre qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer avec ce jeune homme-là. Waouh! Ok. 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 Et voilà, mesdames et messieurs, comment nous commençons la deuxième saison du Double Date Season 2. Amazing! Wow. Woo. Yes. Est-ce que je peux ajouter aussi, parce que c'est que simplement le début. À cette même période, je devais m'en aller en Angleterre, à Londres, pour un stage de fin d'études. Et du coup, quelques mois avant, il y avait une femme de Dieu qui était venue dans l'église et elle avait fait monter toutes les personnes sur l'estrade pour dire, bah, les étudiants qui étaient venus à la conférence, veuillez monter. Donc, la femme dont je tairai le nom est en train de prier pour toutes les personnes qui étaient les étudiants qui avaient participé à la conférence. Et elle s'arrête sur moi. Et elle me dit, c'est le temps de ton mariage. Et moi, je regarde comme ça, je fais, le temps de quoi? Le temps de ton mariage. Et puis après, ce que je fais, j'ai dit, bon... Moi, personnellement, en fait, je ne suis pas sceptique par rapport à la prophétie, mais je suis quelqu'un qui analyse et qui prend le temps de rechercher parce que je n'accepte pas tout et n'importe quoi. C'est ça. Parce qu'il s'élève en cette génération des faux prophètes, des fausses prophéties et qui font aussi espérer les gens pour rien. Okay. Donc, c'est reçois l'information et je la sois dans mon esprit. Et directement, quelques semaines plus tard, je sens comme un ciel qui est ouvert et c'est en train et je sens que dans mon esprit et il y avait une voix qui me dit c'est ta saison pour le mariage. Wow. Ok, un instant. Ok, welcome to Double Date People. Ok, là on commence. Je peux aller un peu plus en profondeur. Oui. Attends. Un instant avant d'aller en profondeur. Attends. Parce que c'est déjà profond. Donc là, je te dis. Donc okay. Là, t'es... Non, vas-y. Moi, je veux juste comprendre. Donc là, t'es pas encore parti en Angleterre. Quand tu reçois cette information. Je suis pas encore parti en Angleterre. Okay. Et Gwen est toujours dans les parages ou elle est déjà retournée chez elle? Attendez. Je suis toujours dans les parages. Elle est dans les parages, mais je ne la connais pas. On se connaît pas. Attention. Parce que en fait, faut... J'étais pas là pour quand t'as reçu la parole. Voilà. J'étais pas encore arrivée. C'était un peu la même période. Mais c'était pas le même mois. Ok, so quand toi t'as eu ça de la femme de Dieu, et quand elle a eu son rêve, maintenant quand vous êtes parlé, vous avez vu que c'était dans la même période. Ils se sont pas encore parlé. Je sais qu'ils se connaissaient pas, mais ce que je suis en train de demander, c'est que maintenant que vous êtes mariés, est-ce que vous êtes situé dans le temps pour vous dire que c'était à la même période ce message-là? Même période. Waouh. Et les Et les amis, ça, c'est des indicateurs de comment repérer un message prophétique aussi. Parce que les deux, clairement, sont en train de nous dire qu'ils ne se parlaient pas. Premièrement, ils ne se parlaient pas. Deuxièmement, donc il n'y avait pas un intérêt vraiment l'un pour l'autre. Mais troisièmement, c'est qu'elle, elle reçoit un message, lui, il reçoit un message, mais c'est dans la même période et ils ne se parlaient pas. C'est très, très, très important pour pas non plus que ça soit trop farfelu, là. Les choses viennent vraiment du Seigneur et que c'est de manière prophétique surtout, il faut être en mesure d'avoir les yeux spirituels pour comprendre les signes, comprendre le temps, comprendre la saison qu'on est en train de vivre. Et ça, c'est un très bon indicateur pour nous montrer, et j'espère... Il y a beaucoup de feu. Donc, je pense qu'on comprend et on peut bien continuer l'histoire. Alors, c'est des très, très bons signes. Continuons. Waouh. Alors, je reçois cette confirmation où c'était... Parce que je suis parti à Londres vers 2015. Okay. Je suis parti en septembre 2015, exactement pour la rentrée, en fait. Je devais partir en stage et commencer au mois de septembre à Londres. Okay. Donc, je reçois l'information quelques temps avant de partir à Londres. Wow. Okay.
Donc, ça peut te situer peut-être en 2, 3, 4 mois. Okay. Mm. Et du coup, je reçois l'information où on me dit que c'est le temps pour toi pour le mariage. Mm. J'accepte, wow. J'analyse et je laisse un peu de côté. Et lorsque j'arrive à Londres, je vois comme si le ciel est totalement ouvert et j'entends dans mon esprit, c'est ta saison. Ok. Wow. Et je ne savais pas. Et en fait, je ne sais pas. En fait, c'est une forte conviction. Ce n'est pas un truc que tu cherches. Parce qu'en fait, il s'élève une génération de personnes qui cherchent le mariage. Moi, le mariage, il est arrivé sur moi. Mm. C'est pourquoi la Bible déclare que cherchez premièrement le royaume et toute chose vous sera donnée. Mm-hmm. Dans cette optique-là, je ne cherchais pas de mariage. Mm. C'est le mariage qui est arrivé à moi. Et ça va être très marrant comment on va vous l'expliquer. Et je vais vous expliquer un peu, rapidement, un peu le contexte quand je suis à Londres. Je suis à Londres. J'entends dans mon esprit, c'est ton temps pour le mariage. Donc, je me rends dans une église qui s'appelle Kensington Temple, à Londres. Ok. À Kensington Temple. Donc, eux, ils l'appellent comme ça là-bas, Katie. Ok. Katie. Okay. Et j'arrive dans l'église et mes yeux sont ouverts. Parce que j'avais entendu Dieu. C'est comme un message que tu reçois. Dieu te dit, c'est ton temps. Donc, comme moi, je suis un homme de foi, c'est mon temps. Je regardais partout. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est qu'avant, je ne regardais rien. J'étais focalisé sur l'œuvre de Dieu. Je cherchais à faire avancer le royaume de Dieu. Mais quand j'ai entendu dans mon esprit la voix qui m'a dit, c'est ton temps, c'est à ce moment-là que mes yeux, j'ai commencé à dire, bah, Seigneur, je fais un pas de foi, j'ouvre mes yeux. Je ne veux pas rater celle de ma destinée. Okay. Mais après, on va revenir un peu en flash et on va laisser Gwen continuer son côté. C'est très, très important ce que le Jordan Chobo a dit, le pasteur Jordan a dit. Il est important, OK, de effectivement faire le travail du Seigneur et le mariage, effectivement, va venir à toi. Mais aussi, il faut comprendre que quand tu fais aussi une autre manière de le voir, c'est que quand tu fais le travail du Seigneur et que tu trouves que, OK, bon, ma vie est relativement correcte et tout, et que tu ressens que ta saison est là, effectivement, quand on dit de rechercher, c'est que tu peux effectivement, surtout si tu es un homme, avoir les yeux ouverts et voir un peu qu'est-ce qui se passe autour de toi. Parce que généralement, on va réaliser qu'elle n'est jamais trop loin de toi quand tu es réellement dans la bonne saison. Je voulais juste vraiment apporter cette nuance-là. Ce que le pasteur Jordan a dit est très, très bien. Donc, il était vraiment focalisé pour le Seigneur, mais vraiment focus pour le Seigneur. Et paf, comme c'était la saison, le Seigneur aussi l'a peut-être aussi arrêté de dire, mon gars, rate pas ta saison elle est maintenant. Et ça, c'est vraiment très, très, très important. Waouh! Incroyable! Mm. Et donc, il est à Londres, au UK, il ouvre les yeux comme s'il cherche, or, elle est en France. Elle est à Meaux là-bas. On va comprendre l'histoire. Hein. Oh, vas-y. Moi, j'écoute. Vous allez bien vous entendre parce que tout est chrono. En fait, ce qui est bien avec Dieu, c'est qu'il y a une chronologie. Il n'y a pas une histoire farfelue ou je ne sais pas. En fait, tout est vous allez voir en fait comment la chose a été faite. Et vous allez voir aussi l'arrogance que j'avais à cette époque-là aussi. Ça va être très important. Trop de suspense. Trop de suspense. On t'écoute, ma chère Gwen. Double Date Season 2. Let's go. Du coup, moi, le moment où j'ai le rêve et je retourne à l'église, donc je vous ai dit, j'étais dans... Voilà, il y a un truc qui s'est passé quand je l'ai revu, du coup, après avoir eu les rêves. La fin du culte arrive le dimanche, après les rêves, après la sensation de connexion. Le pasteur fait lever toute l'église juste avant la fin du culte. Jordan, viens ici. Étendez vos mains vers Jordan. On va prier pour lui. Il part à Londres. J'ai cru que j'allais m'évanouir dans l'église là. J'ai dit Seigneur. Et j'avais du coup, comme je vous ai dit, qu'on était entre filles dans ma famille. Elles étaient au courant, du coup. Et j'ai dit, bon, ça va aller, Dieu est Dieu. Je suis rentrée après le culte. Je me suis enfermée, je ne sais plus si c'était dans la salle de bain ou dans les toilettes. J'ai dit, Seigneur, c'est une blague? J'ai dit, mais tu m'as... J'avais jamais... parce que Dieu me parle, voilà, Dieu parle de différentes manières. Il parle tantôt d'une manière, tantôt voilà, des rêves, des songes. Mais je voyais toujours la chose, bon voilà, s'accomplir assez rapidement quand même. Je voyais le rêve 2-3 semaines après, ça arrivait, un mois, ça arrivait. Voilà, bon après, il y a des choses qui étaient un peu plus longues. Mais là, je me dis, attends,
deux, trois jours avant, tu me montres, voilà, je rigole, trois nuits, je rêve du garçon tout le temps. Et là, il part à Londres. Je ne sais pas combien de temps, je ne sais pas ce qu'il part faire. Et en plus, moi, je suis toujours en vacances. Je suis censée reprendre de la route pour repartir là où j'habitais, parce que voilà, les vacances scolaires allaient se terminer. À 300, à 300 kilomètres. Donc, je me dis, bon, non seulement il part à Londres, non seulement il ne me connaît pas, je ne le connais pas, on ne s'est jamais parlé. Wow. Moi, je retourne, les vacances se terminent, je retourne chez moi, lui part à Londres. Je me disais, non, je sais que Dieu est Dieu, mais j'ai dit là, non, il y a un truc que j'ai dû rater quelque part, c'est... C'est pas possible. Waouh. J'ai dit non. Là, il y a vraiment un truc. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des autorités spirituelles, des personnes vraiment équilibrées avec la foi et la maturité pour pas aller faire tout et n'importe quoi. Parce que j'aurais pu aller dire ah oui, oui, Dieu m'a dit t'es mon mari le dimanche comme ça, rien à faire. Le gars, il part à Londres, on sait pas c'est quoi. Projet, ces trucs, aller, non, 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 non. Et j'étais là, je disais, bon, bah voilà, Seigneur. Et ce que j'ai aimé à cette époque-là, c'est que voilà, la personne qui m'a conseillé m'a dit, si Dieu t'a dit que c'est ton mari et que tu as la conviction, tu commences à prier pour lui. Alors, à partir de ce dimanche, quand j'ai appris qu'il est parti à Londres, je ne savais pas ce qu'il faisait ni quoi que ce soit, même son âge, je n'avais pas du tout les bonnes informations, j'avais rien du tout. Tous les jours, je priais pour lui. Tous les jours. Comme j'avais déjà vu qu'il était orgueilleux, au fur et à mesure, le Seigneur me montrait des choses. Moi-même, je voyais aussi, naturellement, je voyais les choses. Je priais, je priais, je priais pour la sagesse, pour la protection de Dieu, pour qu'il soit humble, pour que, voilà, peu importe où il est, la main du Seigneur soit sur lui, que peu importe ce qui se passe, vraiment, il soit toujours entouré des anges, qu'il soit dans le sang de l'agneau, qu'il puisse grandir en sagesse, en connaissance. Et tous les jours, je prenais 3 minutes, 5 minutes, et je priais pour lui, je priais pour lui, je priais pour lui, pour que ses yeux puissent s'ouvrir, parce que je ne savais pas s'il savait. Et moi, j'ai une question pour toi, justement, à cause que tu t'es prononcé de la sorte. Tu ne savais pas, le Seigneur t'a parlé à toi, tu ne sais pas si le Seigneur l'a parlé, mais le Seigneur t'a parlé. Comment est-ce que tu as pu avoir juste de l'amour pour lui? Parce que tu as dit quand même quelque chose d'intéressant. Tu as dit qu'il avait de l'orgueil. Ouais. Il était très arrogant. Très bonne question. Alors, comment est-ce que tu as juste fait pour mettre ça de côté? Parce qu'il n'y avait pas une garantie que son orgueil allait baisser ou... En tout cas, on ne sait pas. Est-ce qu'aujourd'hui, il est encore? On ne sait pas. On n'a aucune idée. Nous, on t'écoute. On n'a aucune idée. On ne sait pas. Alors, explique-nous un peu dans quelle dynamique tu étais avec le Seigneur. Le fait de savoir que, ok, oui, il y a de l'arrogance, mais c'est l'homme que le Seigneur a préparé pour moi. Ouais. Personne ne le sait, mais il y a juste moi qui vis seul dans mon coin avec la conseillère, la personne qui m'a... Explique-nous un peu comment tu as vécu ce... C'est bien, hein? Comment tu as vécu cette dynamique-là? Cette dynamique, ouais. En fait, le problème, c'est qu'on croit... Enfin, la plupart des femmes, peut-être des hommes, on est habitué à regarder tout ce qui est film romantique, série romantique. Voilà. Et on croit que quand le gars va arriver, tout va être parfait, il va sentir bon, il va arriver avec la rose, la bague de fiançailles solitaire qui brille de partout et tout va être parfait. Oui, je t'emmène au cinéma, au restaurant, j'enlève le bandeau, ferme les yeux, tout ça. Et on oublie qu'un homme reste un homme, une femme reste un homme. Même si on est enfant de Dieu, on aura toujours des défauts. Et c'est pour ça qu'on est vraiment un vase entre les mains du Seigneur. Et il doit donner la forme qu'il veut. Donc si, en tant que femme, j'ai la connaissance que c'est lui que Dieu a préparé pour moi, je dois commencer. Et franchement, je m'adresse aux personnes qui sont célibataires, qui sont Yes. On n'attend pas d'être dans la saison. On prépare le mariage dès maintenant. On commence à prier pour les enfants, pour tout dès maintenant. Et moi, vraiment, le côté spirituel à cette époque-là, que Dieu a permis que j'ai dans ma vie, m'a toujours dit, on n'est jamais trop en avance dans la prière. On n'est jamais trop en avance dans l'intercession. Pour sa propre vie, on n'est jamais trop en avance pour préparer, débroussailler le chemin. Et c'est vraiment ça ce que j'ai fait. J'ai vraiment, tous les jours, je prenais pas longtemps, hein, j'étais pas là à une heure. Oui, Seigneur, c'est mon mari, que personne me touche. Envoie des fleurs dans les yeux des femmes. Là, non, non. Envoie des quoi? Envoie des quoi? Envoie des flèches. Envoie des flèches dans les yeux des femmes. Je vois plus, Seigneur. Une chance que t'as pas fait ce genre de choses.
de prière. Waouh. Non, mais j'aime ta franchise, c'est vrai. J'aime parce ta que... franchise à oui, 1000%, oui. Well, et j'ai vraiment hâte d'entendre la fin de l'histoire, mais je suis déjà émerveillée par la façon dont le Seigneur a tout orchestré. Ben oui. Et surtout par l'attitude de sagesse que tu as eue. Tu as dit tellement de choses, tellement importantes, et je prie vraiment que les femmes célibataires qui écoutent soient en train de prendre des notes. Parce que parmi les questions que nous recevons très souvent, c'est Joey, Nifa, lorsque Dieu me révèle que tel homme est l'homme de ma vie, qu'est-ce que je devrais faire? Les amis, mes chères dames, mes précieuses princesses de l'Éternel, vous avez votre réponse. L'attitude de Gwen est réellement l'attitude qu'on vous encourage à avoir, une attitude pleine de sagesse, une attitude qui ne va pas vous pousser à aller vous dévaloriser, une attitude qui ne va pas vous pousser à vous mettre dans des situations où finalement vous risquez d'avoir le cœur brisé. Mais c'est vraiment une attitude qui va vous préserver et qui va permettre à ce que les choses puissent réellement tourner en votre faveur si c'est la volonté de Dieu. Amen. Alors, je continue de me taire pour qu'on puisse écouter la fin parce que c'est extrêmement édifiant. Waouh. C'est comme ça qu'on devait le commencer. Je suis vraiment, vraiment heureux. Et en voyant les commentaires des gens... Est-ce que vous êtes content d'être là, les amis? Vraiment, c'est... Vraiment, parce que là, je n'ai pas de mots. Bravo, je n'ai pas de mots. Je ne fais que rendre gloire à Dieu dans mon cœur. Je bénis le Seigneur. En tout cas, là, je vois qu'on est à plus de 770 personnes. Amazing. Guys, partagez ce live. Ça va, vous ne savez pas comment ça va aider les gens qui ont besoin d'écouter cette information-là. On reçoit trop de questions là-dessus. Et... j'aime quand quelqu'un qui a vécu la situation puisse en parler. Oui. En tout cas, Gwen, on t'écoute. Donc, du coup, voilà, j'étais vraiment dans une optique de prière parce que moi, franchement, j'ai donné ma vie au Seigneur, mais j'étais dans une optique de mariage. Ça, c'est vraiment quand j'ai donné ma vie au Seigneur que j'ai commencé. Voilà, on m'a parlé de mariage, toutes ces choses-là. Moi, j'étais vraiment quelqu'un d'anti-mariage. Hein. Pour moi, c'était vraiment le concubinage. Le mariage, c'était vraiment... non. Donc, c'est merci de l'avoir partagé. Ouais, merci de l'avoir partagé. Merci. C'était vraiment le... Moi, j'ai dit, voilà, Seigneur, tu fais ce que tu as à faire et que ta volonté soit faite, vraiment rien que ta volonté. Et du coup, on m'a dit de préparer dans la prière tout ça. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je priais pour lui, je priais pour moi, je priais pour lui, je priais pour moi, je priais pour lui, je priais pour moi. Je faisais vraiment ce travail dans la prière, vraiment dans la prière. Je préparais tout ce que j'avais connaissance. Et tout ce que le Seigneur me faisait voir, je le préparais. Et j'ai aussi, du coup, beaucoup grandi en maturité dans le sens où c'est pas parce que Dieu nous montre quelque chose là que ça va se passer dans les jours qui arrivent. C'est ça. C'est ça. Exactement. C'est pas parce que là, on a un rêve ou une vision ou je sais pas, beaucoup de personnes reçoivent des prophéties. C'est pas parce qu'on vous dit oui, tu vas avoir telle chose que demain ou tous les jours, il faut être là et dire ah, Seigneur, tu es un Dieu de mensonges, ça n'arrive pas. Non, non, non. Dieu nous teste aussi des fois dans ça pour savoir où est notre cœur. Est-ce qu'on est attaché à lui ou est-ce qu'on est attaché à ce qu'il donne? Répète ça, s'il te plaît. Est-ce qu'on est attaché à Dieu ou est-ce qu'on est attaché à ce qu'il donne? Parce que la ligne est en fait, les amis, très mince entre est-ce qu'on est attaché à lui ou on est attaché à lui qui donne. C'est deux dimensions très, très proches, mais complètement distinctes quand même. Ouais. Et effectivement, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons faire attention de ne pas tomber amoureux ou tomber en amour plutôt avec ce qu'il donne. Ce qu'il donne est bien. C'est ça. Ce qu'il donne est la bénédiction. C'est ça. Il ne s'accompagne d'aucun chagrin, dit la Bible. Mais on doit effectivement faire attention. Ouais. Oui. Les amis, la parole nous dit, un de mes versets réellement, que le Seigneur a vraiment enraciné dans mon cœur et que j'ai vu vraiment se manifester dans ma vie. C'est dans le psaume 37, verset 4, quand la Bible dit que « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Gwen est en train de vous expliquer maintenant
comment est-ce que tu fais de l'éternel tes délices. C'est que oui, il t'a donné une promesse. Oui, il t'a dit qu'est-ce qu'il va te donner. Oui, cette chose-là correspond à ce que ton cœur désire. Mais please, 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 que ça ne t'empêche pas de faire avant tout de l'éternel tes délices, ta priorité. Il ne faut pas que cette bénédiction vienne prendre sa place dans ton cœur. Et c'est pour ça que Gwen est en train de dire que oui, peut-être que tu as eu une certaine révélation, mais ça ne veut pas dire que ça va arriver demain puis que tu dois être obsédé par cette pensée-là, parce que tu as entendu, par ce rêve et ainsi de suite. Ouf, en tout cas, continue ma chère. Waouh. Continue, donc, continue. Coup, this is, très puissant. This is amazing. Les vacances se sont terminées et Sam est parti à Londres et moi je suis retournée du coup chez moi à 3h, 3h15 de route. Ouais. Mm-hmm. Et là où, encore une fois, Dieu, et c'est vraiment que par sa grâce, et c'est lui qui était vraiment aux commandes de tout ça. Quelques jours après être rentrée à Meaux, là, le Seigneur nous dit à ma famille et moi-même, après être rentrée du coup chez moi, qui n'est pas à Meaux, mais qui était à 3 heures de route, le Seigneur là, nous dit de partir, de tout laisser et de partir. Waouh! Tout laisser. Ça veut dire que moi, je devais rentrer dans, à l'époque, la 4e meilleure fac de droit. J'ai fait ma rentrée. J'ai fait 3 jours. Une fac, mais franchement, pour ceux qui font des études en France ou je ne sais pas comment ça se passe à l'étranger, mais ce n'est pas évident de trouver une fac avec des équipements corrects. Avec des professeurs qui ont tous écrit des livres. Ça veut dire les professeurs, ils ont tous écrit des livres, ils sont là. Dès que le cours commence, ils sont en train de vendre leurs livres. J'étais dans une fac comme ça, les portes s'ouvraient toutes seules. Enfin, c'était... C'était franchement... Et là, le Seigneur nous dit de partir, laisser maison. J'ai grandi là-bas, je connaissais que cette ville-là. J'avais tous mes amis, j'avais tout. Ma maman avait son travail, ma soeur avait son école. Et là, le Seigneur nous a dit, il faut partir, il faut quitter. Et parce que, encore une fois, je rêvais de Meaux. Je rêvais de la ville de Meaux aussi. Wow. Donc, ça veut dire que de la même façon que je rêvais de Jordan régulièrement, je rêvais de la ville de Meaux aussi. Je voyais que j'étais tout le temps dans cette ville-là, alors que j'étais venue en vacances. Et je voyais que j'étais tout le temps dans cette ville-là. Et là, le Seigneur a dit, on n'a pas eu le choix, fallait obéir. Quand Dieu dit, il faut partir, il faut obéir. Donc, nous voilà, il était 3h ou 4h du matin, en train de prendre nos affaires rapidement avec ma mère et ma sœur, charger la voiture, et on arrive à Meaux et on s'installe définitivement à Meaux. On était hébergés chez de la famille. Et là, je me dis, Dieu me montre que c'est mon mari, il part à Londres, Dieu me montre que je suis tout le temps à Meaux, maintenant je suis à Meaux, ok, mais on fait quoi? Moi, je suis inscrite, je fais ma rentrée, je laisse mes amis, mes meilleurs amis, tout ce que j'ai toujours connu. Je pars, je laisse tout, je connais personne à Meaux, enfin, à part la famille chez qui j'étais, mais une église, j'ai pas d'école, j'avais rien. Je me suis retrouvée sans école. Parce que pour changer d'université, c'est pas comme quand on est au collège ou au lycée. Ouais. L'université, c'est... Alors, me voilà dans des choses où on me dit que non, il faut que j'attende dans 1 an. Je dis, mais je ne peux pas rester 1 an sans rien faire. Ce n'est pas possible. Mais, comme je vous dis, Dieu est Dieu. Et lui, de temps en temps, il revenait à Meaux. Donc, je le voyais à l'église, je l'apercevais au loin. Et à chaque fois qu'il était là, je me disais, ah, Seigneur, cette fois, c'est la bonne fois. C'est le jour. Et le jour, il est là, dans toute son orgueil, toute son arrogance. Le gars passait à côté de moi. Des fois, il me frôlait, il ne me regardait même pas. Wow. Yes, je vais vous expliquer un peu. Mais est-ce que c'est de l'orgueil ou bien c'est juste si tu n'as pas remarqué? Pour moi, il n'existait pas. Ah ben c'est ça, pour le moment. Parce que, en fait, je vais vous expliquer. Donc, j'étais à Londres, comme je t'ai expliqué, et j'avais compris que j'étais dans le temps. Et que c'était le moment. Donc, comme vous avez expliqué, je m'étais arrêté, je vous disais que mes yeux étaient ouverts. Et je me souviens, avant que je parte à Londres, j'étais parti voir un de mes meilleurs amis qui s'appelle Mickaël, qui habite sur Paris. Mmh. Et ce qu'on fait,
c'est que eux ont un restaurant. Ils avaient aussi, aussi à l'époque, mais je pense qu'ils l'ont toujours aussi, un appartement au-dessus du restaurant. Donc du coup, il y avait tout. On va dire c'était Shadrach, Meshach, Abednego, toute l'équipe qui était là. Vraiment. Wow. Et du coup, on s'est réunis en haut et j'ai dit, hey, les gars, vous savez une chose, moi concernant le mariage, la porte est grande ouverte. En fait, quand j'étais en train de parler de ça, j'étais en train de leur dire que c'est ma saison. Et à chaque fois, je questionnais les frères qui étaient là, je dis, mais la porte, elle est comment? Elle est entrouverte pour toi, fermée? Et quand je parlais d'une porte ouverte, je ne parle pas d'esprit, hein. Je parle simplement parce qu'il y en a qui ont dit, Non, je parle réellement de la dimension, on parle du mariage. C'est-à-dire, toi, frère X, pour toi, si tu penses te marier maintenant, est-ce que la porte, elle est ouverte à demi-moitié? Il y a des personnes qui disaient, moitié fermée, d'autres fermées. Mais moi, j'ai dit, moi, ma porte, elle est extrêmement ouverte. C'est mon temps. Et l'époque, les gens, ils étaient comme, mais toi, qu'est-ce que tu me racontes, toi, là? Il dit, vous inquiétez pas, ça, c'est mon temps. Et du coup, je pars à Londres, je vais à Kensington Temple et on m'amène dans cette église parce que j'ai fait une rencontre aussi très surnaturelle quand je suis arrivé à Londres. C'est-à-dire que mon oncle, le frère de ma mère, m'a accueilli à Londres. Okay, il m'a fait mes premiers pas. Et du coup, je lui ai dit, écoute, tu as une église à me montrer et tout. Et donc, il m'amène à Kensington Temple. Et quand j'arrive là-bas, mes yeux sont ouverts. Je regarde les chantres. Et ma tête dit, bon, c'est qui, Seigneur? Parce que moi, je suis en train de regarder. Je suis dans l'endroit. Je dis, Seigneur, c'est qui? Tu m'as dit que c'est mon temps. Je veux savoir c'est qui. Et je regardais, je me dis, ah, ça peut être surnaturel si je suis avec une anglaise ou j'étais en train de regarder. J'adorais l'hébraïque, mais les yeux étaient ouverts. Et là, je ne parle pas de la dimension de l'esprit, mais mes yeux naturels étaient réellement ouverts. Est-ce que vous comprenez? Et c'était là, j'ai dit, attends, ok. Et du coup, je rencontre des francophones qui sont à Londres et je vais dans une église qui s'appelle Pierre Vivante. Ça se passe super bien, j'écoute les cultes parce que moi, j'aime beaucoup. Mon père, il m'a toujours dit une chose. Dans n'importe quel pays où tu vas, trouve-toi une église. Amen. Ça, c'est quelque chose de très important. Je voudrais vraiment encourager les personnes qui ont pour but peut-être de partir à l'étranger dans plusieurs endroits. Ne quittez jamais la maison de Dieu. Amen. Très important. Parce que l'église est le fondement de plusieurs choses. OK? Donc, on ne va pas rentrer dans un enseignement comme ça. Donc, du coup, je vais à l'église. Et du coup, j'ai un frère qui s'appelle X qui me présente à plusieurs personnes. Donc, on fait des réunions de prière et tout dans leur maison. On rigole, oh, ça se passe, c'était très, tellement marrant, tellement marrant. Et du coup, je remarque une certaine personne qui est cadre francophone, mais cadre dans un grand groupe à Londres et qui a une belle situation. Et du coup, je lui ai dit, ah, Seigneur, voici peut-être celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Et on discute, on parle, on discute, on parle, on va au restaurant, on parle, on discute, on discute. Et du coup, on s'est de plus en plus rapprochés. On parlait, on discute. Et puis, bah, la personne commence à avoir des sentiments pour moi, je commence aussi à avoir des sentiments pour elle, mais tout ça dans la sainteté, hein, parce qu'il y en a gens qui vont dire, oui, non, non, on se voyait dans des lieux publics, on se voyait au restaurant, on se voyait dans des lieux publics. Et c'est ce que je conseille aussi aux personnes, lorsque vous êtes dans les fréquentations, voyez-vous dans les lieux publics, pas dans la chambre haute. Parce qu'il y en a qui disent, oui, Seigneur, on veut se voir dans la chambre haute, prier ensemble. Non, 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 je parle de lieux publics. Yes. C'est important de le préciser. C'est très important. Très important. Ah oui. Et du coup, je discute avec cette personne-là et on a commencé à parler avenir. On parle d'avenir. Je dis, ouais, moi, tu sais, moi, mon cœur, je lui disais, mon cœur, il est en France. Et elle, elle me disait, ouais, mais je t'aime beaucoup, mais moi, mon cœur, il est en Londres. Oh. Donc déjà, on voit déjà, peut-être c'est le fruit de sa prière à elle, mais il y a une séparation qui est en train de se faire. Les flèches. Les flèches. Les flèches dans les yeux. Ah oui, oui, oui. La personne, je l'appréciais beaucoup, elle m'appréciait beaucoup. Et j'étais, après, au bout d'un moment, j'ai voulu entrer dans la chair, je lui ai dit, oui, mais je vais essayer peut-être de vivre à Londres, mais mon cœur est en France. Parce que depuis tel départ, mon cœur, quand Dieu m'a fait naître, il m'a fait naître en France. Et je sais que le territoire de mon influence, c'est en France. Bien que je peux voyager à l'étranger, avoir de l'impact, mais je sais que mon territoire, il est en France. En tout cas, ma base, elle est en France. Et du coup, à cette période-là, mon père a dans son esprit de faire une conférence. Conférence, donc des personnes qui sont de Londres. Et je viens, et c'est pour ça que je faisais mes allers-retours en France.
Okay. Et je reviens pour lors d'une conférence. Qui était en février 2016. Donc février 2016. On est passé de septembre 2015 à février 2016. J'arrive et moi je prêche. J'envoie, je prêche. OK? Et moi, je ne savais pas qu'elle me regardait. Je n'étais pas au courant, je ne la connaissais pas. Et pour moi, elle n'existait pas. Parce qu'à une époque, pour moi, être spirituel, c'était de prêcher et rentrer vite à ma place et être sérieux. Pour moi, c'était ça. C'est ce que j'avais connu de la prédication. Jusqu'à ce que mon père, après, m'enseigne les rudiments de l'évangile, les rudiments d'être qu'est-ce qu'un homme de Dieu. Okay? Et du coup, on finit la conférence. Et mon père, on avait un endroit spécifique avec les serviteurs de Dieu, les jeunes serviteurs de Dieu, on échange et tout ça. OK? Et du coup, chose que je ne savais pas, c'est que mon père, prophétiquement, dans cette salle où on mangeait, mon père a dit prophétiquement à Gwen, va dans la salle où il y a les serviteurs de Dieu là-bas, les jeunes. En fait, à la fin du séminaire, c'était un séminaire sur 3 jours qui était fin février. C'était vraiment le dernier week-end. Dernier week-end. Donc le 26, 27, 28 février. Et je me suis retrouvée là comme ça. Franchement, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il arrive, il me dit, Gwen, va manger avec les jeunes serviteurs de Dieu dans la petite salle. Vas-y. Donc je me retrouve à table avec du coup les... avec nous. Avec lui, avec ses frères de Londres, et les intervenants. Les intervenants de la conférence. De la conférence de jeunes. Et me voilà à table, en face de monsieur. Je me dis, mais enfin, gloire à Dieu. Et l'histoire de rue. Vraiment. Wow. Il y avait mon frère à moi, à l'époque, c'était le chanteur Axel Lévy qui était là aussi. Waouh. Ok. Qui était là au double date de la première saison. Qui était là au double date de la première saison. Vous n'avez pas suivi. Et c'est dans cette saison, quand je suis à Londres, que j'ai connu le pasteur Axel Lévy. J'étais à Londres et je lui ai envoyé un message. C'est là où on a commencé à se connecter à cette période-là. Waouh. Ah, mais des très bonnes amitiés jusqu'à aujourd'hui, alors. Gloire à Dieu. Voilà. Et du coup, nous, on mange. C'est pas juste on mange. Il m'a jamais regardé du repas. Il ne m'a jamais adressé la parole. Il m'a même pas dit un bon appétit. Comment tu t'appelles? Tu es responsable des jeunes. C'est la première fois que je te vois. Qu'est-ce que tu fais là? Rien. Et au final, c'est un de ses frères avec qui il était venu de Londres. Ça a matché, mais pendant tout le repas, on a parlé. Un de ses frères de Londres, j'ai passé une super bonne soirée. Du coup, ses deux frères de Londres, du coup, me faisaient la conversation. Lui ne m'a jamais parlé. Hein. Wow. Voile. Vous voyez, quand il y a le voile là, voile. Là, voile. Même les flèches là, de la prière, rien n'aurait déchiré le voile. Ah non, là. Et du coup. Et du coup, à ce moment-là, moi, j'étais... Wow. Ma tête était à Londres. C'est-à-dire que pour moi, elle n'existait pas. Ouais, il était venu faire le séminaire. Je viens au séminaire et je repars tout de suite après le dimanche soir, en fait. Donc, ma tête, elle n'était pas allée faire des connaissances avec une Française qui est ici. Moi, ma tête, elle était à Londres. À Londres. Non, non, c'est très bien de le préciser. C'est très, très bien de le préciser, oui. Ouf. Voilà. Quelle histoire. Et du coup, on finit et il y a un bout de tarte qui reste sur la table. Et généralement, dans notre église, comme on est une église qui est quand même très familiale, partage. Et moi, vous savez ce que je fais? Il y a un bout de tarte qui est sur la table et je fais, donne la tarte à la petite qui est ici. C'était elle. Le voile. Mais le pire, c'est que je ne la regarde pas. Je fais... « Oh tiens, il y a une tarte, mon frère de Londres, il y a encore une tarte. » Il dit « Ouais, donne ça à la petite qui est ici, là. » Et puis moi, je pars et je trace ma route. Waouh. Ok, ok, les amis, attendez. C'est trop... Donc, je pense que là où nous sommes, là, on est rendu par la grâce de Dieu à plus de 870 personnes. 875. Et je pense que nous sommes... Tous les 875, nous sommes dans un suspense terrible. Terrible, je te dis. Donc, habituellement, j'ai l'habitude de mettre des commentaires, mais j'arrive même pas à parler parce que la façon dont j'attends la fin, là, je dois comprendre les coups. Moi, je dois savoir ce gars-là, comment on l'a brisé, ce gars.
Je te dis. Oh, la petite là, la petite là. Ah, ça c'est bon. Pour moi, elle n'existait pas. Ça c'est bon. Ok, est-ce qu'on peut prendre une petite pause de une minute? Parce que, premièrement, je pense que les gens ont besoin d'aller prendre une bonne gorgée d'eau froide juste pour vous calmer. Ok? Parce que je vois comment c'est chaud même dans les commentaires. Les gens disent il était TTS. Il y en a qui sont juste choqués. Il y en a qui ne savent pas quoi dire. TTS. Sont... c'est incroyable. Quelle histoire. Les amis, on veut juste prendre une minute pour souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont là pour la première fois à notre émission. Bienvenue au au talk show Double D. Yes. On va laisser nos chers invités aller se rafraîchir juste pendant une minute et ils vont revenir. Pendant ce temps-là, je ne sais pas comment vous déconnecter. On se déconnecte. Ok, c'est vous qui pouvez le faire de là où vous êtes. Excellent. Donc, ils vont revenir. Yes. Pendant ce temps-là, comme j'ai dit, on veut prendre le temps d'accueillir ceux qui sont là pour la première fois. Yes. Peut-être que vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe ici, mais tout ce que vous savez, c'est que c'est... Qu'est-ce qui se passe? Vous ne comprenez rien, mais c'est bon. OK? Alors, encore une fois, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus au Double Date. C'est vraiment un talk show chrétien qui a pour but de pouvoir vous édifier grâce au témoignage des invités que nous faisons venir sur cette plateforme. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, nous sommes le couple Kumpesa. Moi, je m'appelle Nifa. Je suis accompagnée de mon cher époux Joey. Yep. Alors, nous sommes les fondateurs du ministère et de l'entreprise chrétienne également qui s'appelle Couronné d'amour. Yep. Une magnifique plateforme qui a pour mission de vous aider, de préparer les célibataires et d'équiper les couples afin qu'ils aient un mariage solide, harmonieux et qui a de l'influence. Mm-hmm. Tu peux découvrir les nombreux outils qu'on a pour toi au www.couronnedamour.ca. Donc, couronné, c'est au pluriel et il n'y a pas d'accent, évidemment, vu que c'est un site d'amour, pas d'apostrophe, .ca. Donc, on a une panoplie de plateformes privées, des groupes, des programmes en ligne. On organise aussi souvent des conférences et nous sommes également auteurs de notre tout premier livre qui s'intitule « Du scandale au miracle ». Donc, un véritable chef-d'œuvre qui va réellement vous bénir. C'est là qu'on partage notre témoignage, notre histoire, vraiment une histoire qui va te redonner espoir, une histoire réellement qui va contribuer à ta restauration émotionnelle si jamais tu as été brisé dans ton passé par toutes sortes de situations difficiles. Peut-être que tu sors d'un milieu familial dysfonctionnel. Peut-être que tu as vécu des défis dans ton enfance qui font en sorte que finalement, dans ta vie amoureuse, tu as traversé toutes sortes de challenges. C'était notre cas et tu vas le découvrir au travers de ce témoignage-là qu'on te partage. On n'a pas une histoire parfaite. Malheureusement, on a été les auteurs justement d'un scandale, mais par la grâce de Dieu, on a su comment surmonter ça et vraiment expérimenter un miracle venant de la part du Seigneur. Alors, si jamais tu veux découvrir réellement ce merveilleux livre, on t'invite à visiter le www.duscandaleaumiracle.com cette fois-ci. Yes. Donc, www.duscandaleaumiracle.com. Passe ta commande de là où tu es, même si tu es en Afrique, parce que je vois déjà dans les commentaires ici, ça ne dérange pas si tu as une adresse où on peut te l'envoyer. Réellement, rendre très, très bien ton adresse pour ne pas que le livre nous revienne. Important. OK? De là où tu es réellement, n'hésite pas. Et on sait que ce livre, que cet ouvrage va réellement être une bénédiction absolument pour toi. Et les amis, écoutez, c'est la saison. C'est la saison du Double D. On est avec vous pour les quelques semaines à venir. Et franchement, ne ratez pas l'opportunité de vous connecter à ce moment. Imaginez-vous que c'est la saison que le Seigneur a mise à part pour vous. Mm-hmm. Peut-être pour apprendre à augmenter vos connaissances par rapport au mariage, augmenter vos connaissances par rapport à comment vous devez vous agir, interagir avec votre futur partenaire et ultimement, comment rentrer dans un bon mariage solide, harmonieux et qui a de l'influence. C'est ton moment. On a réellement rendez-vous tous les jeudis à 14h, heure de Montréal, Canada, Double Date Season 2, you better know. Double Date Season 2, you better know. Double Date Season 2, you better know.
Double Day, Season 2, you better know. You better know, okay, you better know. Alors vraiment, yes. C'est vraiment incroyable, incroyable, incroyable. On est tellement, tellement contents d'être là avec vous. Exactement. Donc là, aujourd'hui, nous sommes avec nos très chers invités, le couple Chobo, qui nous vient tout droit de la France, de Meaux. Et le début de leur histoire, si tu as raté, en tout cas... On ne peut pas récapituler, il faut que tu ailles écouter depuis le début parce que le suspense dans lequel ils nous ont laissé. Oh. Est-ce qu'on est prêt pour la suite? Laisse-moi aller prendre une bouteille d'eau. Prends pour moi aussi, bébé. Prends pour moi aussi. Est-ce que vous êtes prêts pour la suite? Les amis, c'est chaud, chaud, chaud. Merci mon amour. It's crazy. Leur histoire est incroyable. Si tu n'as pas suivi le début, tu dois aller suivre. En tout cas, à la fin de cette vidéo, recommence. À la fin de cette vidéo, recommence seulement le live parce que c'est incroyable, incroyable. Nous sommes édifiés juste en les écoutant. Oh là là. Nous sommes édifiés. Je suis sûre que parmi les nombreuses personnes qui sont présentes, vous apprenez également. Non seulement vous êtes édifiés, mais je pense que le Seigneur parle à des personnes aujourd'hui, parle à des hommes, parle à des femmes célibataires qui ont peut-être besoin de se réajuster à plusieurs niveaux. Ouais. OK? Donc, vraiment, soyez attentifs. Ouais. C'est vrai qu'on s'amuse, on rigole beaucoup, on a du plaisir. Mais je crois aussi que la présence de Dieu est là. Oh, absolument. Et comme absolument. On a dit, Dieu veut s'adresser à toi qui m'écoutes en ce moment. Ah oui. Le Seigneur veut réellement te donner une parole qui va t'encourager, qui va t'édifier, qui va peut-être, comme j'ai dit, t'aider à te réajuster pour encore mieux aller de l'avant. Ah oui, prends ce moment-là au sérieux. Yes. C'est réellement, en fait, le moment où est-ce que le Seigneur veut réellement te faire du bien, te réconforter. Peut-être que l'année 2020 n'a pas été une bonne année pour toi. Depuis que le confinement a commencé en 2019, 2020 et maintenant 2021, peut-être que tu es toujours dans des problèmes, toujours dans des confusions, toujours dans des, peut-être des rêves nocturnes bizarres, toujours avec des attaques bizarres. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait des flèches envoyées. Ben oui, il y a aussi des flèches enflammées du diable qui sont très souvent tirées vers nous, les enfants de Dieu, pour que nous ne puissions pas rentrer dans notre destinée, dans notre appel, dans notre mariage. Alors, prends vraiment le moment d'écouter, de prendre des notes, reste branché à la fréquence qui ne pourra pas, alléluia, te détourner du Seigneur. Parce que ici, ce qui est premièrement mis de l'avant, c'est notre Seigneur Jésus, le roi des rois. Amen. Let's go now. Couple Chobo, envoyez-nous une invitation pour qu'on puisse vous ramener sur le live. Gotta go back. We are so excited. Vraiment d'entendre la fin de cette histoire. Les amis, merci pour vos nombreux commentaires. Même si vous suivez en rediffusion, commentez parce que nous, on va aller voir, on va aller lire. Et je sais que ça va nous faire du bien réellement de savoir que vous avez été là avec nous. Et en attendant que le couple Chobo est en train de nous envoyer une invitation et de se reconnecter. Screenshot. Mettez-nous sur vos stories, taguez-nous. On va vous retaguer, c'est sûr. Les gens doivent absolument écouter cela. Absolument. Yes, donc, let's go back. Let's go back. Yes. The glory of the Lord. Hey, en passant, coupe le chevaux, il y a quelqu'un qui a écrit « Je cherche une église à Meaux ». Voilà. Il y a quelqu'un qui l'a écrit. Ouais. Je l'ai vu rapidement. Ouais. Alors, Je ne sais pas si vous pouvez donner l'adresse rapidement. OK. Alors, si tu recherches une église à Meaux, il y a l'église qui s'appelle l'église La Chapelle de la Foi, située au 11 rue Pascal, 77 100 Meaux. Je répète, c'est l'église La Chapelle de la Foi, au 11 rue Pascal, 77 100 Meaux. Et le leader, c'est l'apôtre Pierre-Yves Chobo, un homme de feu. Voilà. Yes. C'est le porteur de vision. C'est le porteur de vision et nous, on est là aussi pour supporter la vision ensemble. Magnifique. Absolument. J'allais dire que vous pouvez aussi les retrouver sur les réseaux sociaux. Oui. Et on se permet justement de vous partager cette information parce qu'on a visité cette église. On connaît le pasteur titulaire, le leader. Yes. On connaît très bien le couple Chobo. Yes. Et ce sont réellement des personnes qui sont une bénédiction pour le corps de Christ. Yes. Donc, c'est pour ça que vraiment prenez note de l'adresse. Allez réellement visiter l'église, rentrer en fait, en partie carrément. Ah, voilà, les, et nous sommes assurés. Ah, voilà, merci beaucoup à ceux qui sont en train d'écrire parce que ça aide dans les commentaires. Donc l'adresse est dans les commentaires, c'est fantastique. Réellement, vous serez bénis. Yes. Vous serez bénis.
Let's go back, let's go back. Oh, il y a beau... Mais l'adresse, ah, vraiment, il y a les gens de la chapelle qui sont là. Merci, merci, merci les amis. Il y a les gens de la chapelle d'Apoc qui sont là, ça c'est incroyable. Yes. Super, super, super. All right, we're back. We're back. Attends, we're back. T'es arrêté où déjà? La conférence. Ah, à la conférence. De février. Oui, la conférence. À quand tu as donné la tarte la à la tarte, petite? La tarte, là, comme ça, là, tout ah, négligé, là. Alors, ah, coup... mais tiens, mais tiens. Donc du coup, pour ceux qui viennent d'arriver, eh ben, du coup, j'étais à Londres et je reviens pour faire une conférence que l'homme de Dieu a reçue dans son esprit de faire une conférence de jeunes. Et du coup, on était différents intervenants. Il y en a d'autres qui venaient de Londres et d'autres, bah, moi qui étais l'orateur français. Donc du coup, la conférence se passe très 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 bien. Et du coup, moi, je me rends pour aller dans la salle pour manger avec les autres jeunes serviteurs de Dieu. Et à ce moment-là, mon père, l'apôtre Pierre-Yves Chaubeau, dit à Gwen, et seulement à elle, va te joindre avec eux dans la salle là-bas, ils sont en train de manger. Okay? Wow. Donc, je ne sais pas quelle sensibilité mon père avait, mais il est sensible dans l'esprit. Oh oui. Parce qu'il aurait pu m'envoyer une Jézabel partir là-bas, mais on l'aurait chassé, donc il n'y a pas de souci. Mais... Come on. It is, ah, et du coup, on est en train de manger, on termine, et moi, comme elle a dit, j'avais le voile devant mes yeux, parce que, pour ceux qui étaient en train d'arriver, j'étais en mini-fréquentation avec une personne qui était à Londres. Okay? Oui. Exactement. Et du coup, j'étais en balance pour savoir ce que je devais vivre à Londres ou à Meaux. Okay? Ouais. Et chose que je n'ai pas dit, et ça c'est une chose qui est très importante, à la fin de la conférence, avant qu'on se retrouve à aller en train de manger, mon père fait un pas prophétique. Il amène l'homme de Dieu, le pasteur. Bah, à l'époque, il était chanteur Axel Lévy sur scène. Il y avait le prophète Josué qui était là. Il y avait moi, il y avait mon grand frère aussi, Samson. Il nous met directement en face, sur l'estrade, devant toute l'église. Okay. C'est pas, c'est pas ce moment-là? C'était la conférence du mois de... Ah, c'est la conférence d'après? D'avril. Ok, ok. Bon, bref. On finit, on est en train de manger. Et puis, on devait partir directement. Qu'est-ce que moi, je fais? Je vois qu'il y a une tarte qui était ici. Je lui dis, tiens, donne ça à la petite qui est ici. Et en parlant de Gwen. OK? Et du coup, bah, moi, qu'est-ce que je fais? Je repars à Londres. OK? Je prends directement, je repars totalement à Londres. OK? Et après, je pourrais vous expliquer après par la suite qu'est-ce qui a fait le déclenchement de ma décision de vivre en France. Et ça n'a pas été Gwen. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, oui, c'est Gwen qui t'a fait revenir en France, c'est elle, parce que t'es tombé amoureux. Non, 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 non. Ça aurait pu. Mais c'est pas elle. Mais c'était pas elle. Mais c'était pas elle. Ah, ça, on est. Elle était sûrement cachée derrière ça. Mais officiellement, visuellement parlant, ce n'était pas elle. OK. Ah, voilà. Parce qu'il y a une différence. Comme on parle, Dieu crée l'homme, il le crée à son image. OK. Ça, c'est dans le monde de l'esprit. Mais après, il forma, en fait, l'homme de la poussière. Donc, ça veut dire que Gwen, à mon avis, elle était au début de la création. Mais la formation, c'est mon père qui l'a manifestée sous l'inspiration du Saint-Esprit. OK, mon Dieu. Par la suite. Okay. Du coup, moi, je retourne à Londres. Et Gwen, let's go. Bah, du coup, comme moi, ça avait bien matché, du coup, avec ses frères avec qui il allait repartir à Londres, etc., etc., j'en ai profité du coup le dimanche juste avant qu'il parte pour enfin lui parler quand même. Parce que bon, c'était pas les frères que Dieu m'avait montré en rêve, c'était lui. Donc du coup, enfin quand même. Déjà bon, le coup de la tarte là, je l'avais un petit peu... j'ai dit bon, non seulement il me parle pas, mais en plus il m'appelle la petite. J'ai dit bon, c'est mal parti. Hein. Franchement, j'étais... Bon, cette fois-là, j'ai pas failli m'évanouir, mais j'ai failli m'étouffer. Hein. C'était c'est la même chose. Ça faisait beaucoup. Hein, là. C'était, J'avais déjà le cœur de berger, je voulais qu'elle mange. Ah, avant. Étouffer ta brebis comme ouais, ça. Ouais, c'est ça. Ah, ça, c'est bon. Oh, waouh. Et ouais, du coup, bah, j'en ai profité voilà, pour parler, faire connaissance rapidement avec lui. Et puis après, bah, il est reparti à Londres. Et là, ma maman, super connectée et tout. Donc, je lui raconte et tout. Elle m'a dit, alors, il t'a parlé ça? J'ai dit, oui, oui. Bon, je lui raconte le bout de tarte, mais...
rapidement. Et je dis à ma mère, ouais, j'aimerais bien lui envoyer un message, je sais pas, bon, j'ai pas son numéro, ni quoi que ce soit. Et ma mère, elle me dit, bah, envoie-lui un message pour savoir s'il est bien rentré. Parce que faut qu'on soit honnête, hein, nous, entre filles, faut toujours avoir une bonne raison d'envoyer un message. On n'envoie pas un message comme ça. Faut qu'il y ait un truc. Est-ce que t'es bien rentré? Est-ce que t'as fait bien voyage? Est-ce que ça va mieux? On n'envoie pas juste un « ça va, tu fais quoi ?» Non, 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 non. Mmh, c'est ça. On est un bijou, quoi. Voilà. Doucement. On fait le premier pas, mais sans faire le premier pas. Genre la subtilité. Bien sûr. Parce que tu ne veux pas te dévaloriser. En plus, la personne t'a dit « donne le bout de tarte à la petite ». Donc, ça aurait été... Là, on t'a déjà dit tu es la petite et tu vas encore dire « Oh, salut, comment ça va ?» Non. C'est que tu envoies un message, mais un message bien calculé. Mm. I like that. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que du coup, il m'a dit « Oui, ça a été... voilà, bon. » Déjà, il faisait la conversation, donc ça allait. Il n'était pas totalement fermé. Et après, bon, bah... je disais à ma mère, oui, bon, ben voilà, je lui ai envoyé un message pour savoir s'il est bien rentré. Maintenant, j'ai plus de raison. Donc, au bout de quelques jours, ou ouais, on va dire quelques jours, une semaine, je sais pas, il y a un truc. Ouais, des fois, quand on fait des trucs, après, on regrette. Je pense que vous avez déjà arrivé. J'ai envoyé un message, j'ai dit, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Ah bon, le message, il était déjà parti et tout. Il me fallait avoir un petit coup. Attends. Ouh, mais quand t'as envoyé le message, parce que nous, on veut savoir vraiment les détails comme il faut. Quand t'as envoyé le message de « est-ce que t'es bien arrivé ?» Est-ce que t'as répondu ? Attendez, il y a une personne qui a dit comme elle a eu ton numéro. Elle m'a parlé via Messenger. Attention. Ah oui, très très bon détail. Parce qu'en fait, les hommes de valeur, ok, on ne les prend pas comme ça. Hein. Okay. Voilà, elle a pris un réseau public, un prétexte dans ce contexte, pour essayer de me parler. Ok. Attention, Messenger. Il n'y a pas d'échange de numéros comme ça, comme dans les films. Messenger, Facebook. Donc, il m'a répondu, oui, je suis bien rentrée, merci. Donc, je lui disais, voilà, trop fatiguée. On essaye de faire durer la conversation le plus longtemps possible. T'es pas trop fatiguée, ta. Donc, voilà, comme j'ai vu qu'il répondait bien, mais bon, la conversation n'allait pas s'éterniser. Donc, il a fallu que ça se termine. Donc après, il fallait que je trouve encore un autre prétexte, mais un prétexte subtil, parce qu'après, le gars, déjà, qui m'appelle la petite, alors si je me mets à lui envoyer des messages alors que j'ai mangé une fois avec lui, il va se dire, oh là là, une psychopathe, elle me harcèle, qu'est-ce que c'est que ça ? Exactement. Donc, voilà, fallait avoir de la sagesse et tout ça, et donc du coup, je me dis, bon, allez, j'ai rien à perdre, Seigneur, toi-même, tu sais, il va fou, là, là. J'envoie le message et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Le gars, il est toujours à Londres. Moi, je suis à Meaux. Je ne sais même pas pour combien de temps il est là-bas. Je ne sais toujours pas quel âge il a, ce qu'il fait dans la vie. En plus, après, je me dis, mais ça se trouve, il a quelqu'un à Londres. J'avais. C'était le cas. C'était le cas. Je me dis, waouh, qu'est-ce que j'ai fait? Et du coup, il répond, il discute. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il n'était pas très message. Donc, il devait rentrer au mois de mars, du coup. Il devait re-rentrer, il y avait une conférence avec eux. Voilà, et c'est là que tout... Donc, on est passé de la conférence fin février, donc le dernier week-end du mois de février, le 26, 27, 28 février, à une conférence qui avait lieu vers le 14, 15... 16 mars. On a enchaîné comme ça ? Oui, ça s'est enchaîné comme ça parce qu'en fait, t'es rentré et une semaine, deux semaines après, t'es revenu. C'était juste après mon anniversaire, je m'en souviens. Ils ont souviens. Donc, la conférence, ça n'était pas vers décembre, un truc comme ça ? Non. C'était fin février. Après, t'es revenu au mois de mars et c'est là que ton père, il t'a donné la... Ah, voilà. C'est là qu'il y a la confirmation. Donc, du coup, je reviens pour une autre conférence. Une chose que la petite a confirmée. Hein. Une chose que la petite est efficace. Une chose que la petite est efficace. Parce que toi, là... J'étais comme ça. Ah, voilà. Très vrai. Tu dis quoi ? Comme monsieur n'était pas très message, l'arrogance, on n'a pas le temps, il faut que tout aille vite. Du coup, il me dit, je te propose qu'on s'appelle. Waouh ! Ben oui,
Finally! Joey, grand frère! Ah ben oui! Ok, ok! J'aime ça! Vas-y, explique, qu'est-ce qu'on s'est dit, je m'en souviens plus. Alors là, je cours dans la maison, je dis « Maman, maman !» Il m'a dit « on s'appelle et tout !» Donc là, c'était première victoire, je suis passée de la petite à « j'ai le droit à un entretien téléphonique » donc sur Messenger. Et en fait, il était en train de préparer sa valise parce qu'il rentrait justement sur Mo. On avait une conférence de 3 jours. Ah, je me souviens. J'étais, voilà. J'allais prendre ton taxi. Voilà, j'étais en train de préparer mes affaires. Et à ce moment-là, il y a un taxi qui arrive, un Uber, je crois. Ouais, plutôt un Uber. Et je devais rentrer. Et du coup, quand elle m'appelle, le taxi est dehors. Et moi, je suis comme ça, en train de me préparer. J'ai toutes mes affaires comme ça. Et on est en train de se parler. Et puis, moi, ma tête, elle était vraiment ailleurs. Parce que moi, ma tête, elle était aussi vraiment, à l'époque, sur la conférence. Désolé, hein. Il y en a qui vont dire, « Ah, t'es pas un lover. » Je suis devenu un lover après. Ah, amen. Okay. C'est ça qu'on doit comprendre. Moi, à l'époque, je ne savais pas c'était quoi l'amour, en fait. OK, l'amour, quand je dis l'amour, l'amour avec... Enfin, vous voyez ce que romance, je veux dire. Je ne savais pas ce que c'était, en fait. Donc, je ne savais pas comment m'y prendre avec une personne. Je ne savais pas, en fait. En plus, tu n'étais pas séparé de la personne là-bas. Parce que tu venais juste pour la conférence. Tu étais censé repartir à Londres. Voilà. Et du coup, j'étais en mode un peu tension avec la personne de Londres. Parce qu'en fait, elle était en train de me dire que ouais, tu m'as un peu menti, tu m'as dit que tu veux vivre à Londres, mais en fait, tu sais pas réellement parce que mon cœur est en France. Donc du coup, je me prépare, il y a le taxi qui arrive et je suis en train de lui parler pendant que je suis dans le taxi pour directement, je crois, prendre l'Eurostar et rentrer. D'accord? Et du coup, j'arrive en France, on fait la conférence, tout se passe vraiment très, 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 très bien. Et du coup, à la fin de la conférence, l'homme de Dieu, mon père, l'apôtre Pierre-Yves Chogo, fait montrer tous les orateurs qui avaient travaillé sur la conférence sur la scène, dont il y avait le pasteur et chante Axel Lévy. Ok, c'était là. Tout le monde était là. Et du coup, il retourne dans son esprit. Il a dit que bah, nous, le travail qu'on a fait, il avait appelé ça à l'époque Eurofire. Okay. L'Europe au feu. Ok, Eurofire. Et moi, dans ma tête, ça chamboulait dans ma tête. Et à ce moment-là, je ne savais pas si je devais être en France ou pas. Et du coup, ce qu'il fait, il y a les serviteurs de Londres sur le côté. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, moi, je suis un gars de Londres. Après, il fait, non, pas toi. Toi, là, tu restes ici. Il m'a dit devant tout le monde, il a dit, toi, t'es un parasite. Toi, t'es pas à Londres, toi. Toi, tu restes ici. Et vous savez une chose, j'aurais pu le prendre mal. Non, mais tu veux cacher mes plans et tout. C'est à ce moment-là, quand il m'a dit, toi, tu restes ici. Dans mon cœur, j'ai une conviction qui m'a dit, ta place, elle est en France. Amen. Voilà. C'est à ce moment-là. Parce que des fois, on cherche de dire, mais Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et là, il est en train de dire, voici, il y a les orateurs de Londres. Et moi, je m'étais inclus dans ce que moi, dans ma tête, je me voyais peut-être à Londres. Tu vois, un gars de Londres. Après, il m'a dit, non, toi, là, toi, t'es un parasite, toi. Toi, tu restes ici, toi. Et quand il m'a dit ça, il y a eu comme si il y a un truc qui s'est cassé, un voile. Ouais. Et là, j'ai dit, là, maintenant, je reste en France. Et j'étais à côté, j'ai entendu. Et par contre, pour l'histoire aussi, juste pour l'histoire, moi, à cette époque-là, j'ai eu ça dans mon esprit-là, je la considérais, je la trouvais intéressante, mais pour travailler dans la jeunesse. Pas en tant qu'amour ou non. Parce que je me disais, ah, elle a des dons, elle est intéressante, et je pense qu'elle pourrait m'être utile dans le service de la jeunesse. Parce qu'à l'époque, je n'étais pas nommé, j'étais responsable de jeunes, je le suis toujours, mais je suis... maintenant ordonné pasteur, mais je travaille toujours dans la jeunesse, ok. Mais à l'époque, j'étais le responsable des jeunes, et je suis toujours d'ailleurs, et je me suis dit, bah, elle est intéressante en fait, parce qu'elle voit les choses, elle sent les choses, donc je pense qu'elle va être utile pour l'œuvre de Dieu, mais pour la jeunesse, et moi je la considérais comme ça. Ok, wow. Donc j'ai eu la confirmation que je devais être en France, mais pas parce que j'avais rencontré quelqu'un, là elle en parlait simplement à distance en fait, c'était voilà, il n'y avait pas de proximité, non, il n'y avait pas de tout ça encore. Ok, vas-y. En fait, c'est parce que je t'avais dit quelque chose, la prophétie. C'est pour ça que tu me trouves. Oui, voilà, on a oublié. Donc, la conférence se termine, le pasteur dit Earthfire, je sens dans mon esprit que je dois rester en France. Là, du et coup, après, on est toujours en fin février. Toujours fin février, voilà. Ok. Ces 3 jours, il s'est passé beaucoup de choses ces 3 jours. Hein. Et du coup, moi, je sors avec le prophète Josué, qui est un gars de Londres. Ok, je suis dehors, on parle. Et du coup, je vois une personne, je ne sais plus comment elle est arrivée, après elle donnera un peu plus de détails, et elle sort dehors,
me voit, voit. Non, elle parle. Non, elle parle au prophète Josué. Et moi, je suis à côté. Donc, elle fait comme si que je suis là, mais pas sans être là. Je ne sais pas si elle s'est vengée. Je suis en train de parler avec le prophète Josué. Et elle arrive, elle sort de nulle part. Et elle dit, lui là, qui est à côté de toi. Donc, elle ne me dit pas mon nom. Lui là, c'est un pasteur. Je n'ai jamais dit mon appel. C'est un pasteur. Ce pasteur. Lui là, et après, elle repart, elle revient. Lui là, il va faire les nations. Et moi, je regarde la personne, je dis, mais c'est qui celle-là? C'est qui ça? Wow! Et écoutez bien, mon père spirituel, ne m'avait jamais dit, tu es un pasteur, tatati, tatata. Mon père m'avait toujours enseigné, paie mes brebis, prends soin des autres. C'est ça. OK? Il n'y avait personne qui était arrivé pour me dire, tu es pasteur. Non, 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 elle est arrivée de nulle part. Wow. Pas de sort. Je suis en train de parler d'affecter. Tu connais les affaires entre toi les. Absolument, absolument, absolument. Tu vois, on est en train de parler. Wow. Elle sort. Elle vient et elle fixe le prophète Josué et elle me pointe du doigt. Elle dit, lui là, c'est un pasteur. Il va faire telle chose, telle chose, telle chose. Elle repart, elle revient. Il va faire les nations. Et en fait, vous savez ce qu'elle avait fait? J'avais reçu une prophétie quelques mois avant d'un bishop qui m'avait dit, lève-toi. Elle avait répété exactement la même prophétie que le bishop Abraham qui était venu à l'église, un ami à mon père, qui m'avait donné elle m'a donné exactement la même prophétie. J'étais pas encore arrivée. Mais elle n'était pas dans l'église. Waouh! Elle a dit à l'identique la prophétie que j'avais reçue un vendredi soir à l'église, la chapelle de la foi, ce que là, elle est venue me dire. Et là, après, moi, par contre, après, j'ai fait ça, j'ai fait, attends. Là, il y a un truc qui n'est pas net, je ne comprends pas en fait. C'est qui déjà d'une, elle est là, je lui donne un bout de tarte, elle me poursuit, elle me parle, et en plus, elle est connectée dans le domaine prophétique. Vraiment. Hey. Et là, après, c'est là que mon orgueil commence à descendre. Ah. Parce que là, je me suis dit, là, c'est une affaire sérieuse. Et là, maintenant, ouais. Mon oreille va écouter maintenant. Parce qu'en fait, je pense que dans cette histoire-là, Dieu voulait toujours me montrer que dans la vie, il y aura toujours plus fort que toi. Mmh. Il y aura toujours plus beau que toi. Et c'est pour ça que j'ai toujours compris une chose, tu peux faire tout ce que tu veux dans la vie. Mais quand Dieu veut casser ton orgueil, il va te montrer une personne qui a plus que toi. Et vous savez, à ce moment-là, comment Dieu a cassé mon orgueil? Il me fait rencontrer le prophète Josué. Je suis à Londres, je parle avec lui. Et il y avait une célébration nigériane à l'époque à Kaiti, parce que oui, c'est une église vraiment multiculturelle, et on est devant, on parle. Il me dit, ah, et du coup, toi, tu viens de la France et tout. Et puis après, il me dit, ouais, qu'est-ce que tu penses? Et moi, je commence à prêcher, à lui parler. Je monte le niveau là. Il le monte ici. Moi, après, orgueil, j'ai dit, ouais, mais vous. Et là, en fait, Dieu est en train de montrer que dans la vie, là, il y aura toujours plus fort que toi, plus beau que toi, plus intelligent que toi, pour nous préserver dans l'humilité. Et dans ce moment-là, Dieu travaillait mon orgueil. Et je retourne en France, je vois Gwen qui me parle d'une telle manière que je n'avais jamais entendue. Et là, mon orgueil commence à s'abaisser. Pour que je puisse maintenant entendre. Donc, il a fallu qu'il utilise des personnes pour casser un peu tout ça. Je voudrais juste maintenant interpeller. C'est incroyable. Hein, en passant, c'est juste tellement incroyable. First episode. And it's fire like that. Je voudrais vraiment qu'un homme puisse réellement comprendre qu'est-ce qu'on est en train de dire. Vous voyez, le Seigneur va toujours prendre le temps de nous former. Pourquoi? Parce qu'il sait que quand on parle du mariage, il sait qu'il y a des choses qui peuvent aussi tuer ton mariage. Ah oui. Il y a des choses qui vont ralentir aussi ton mariage. Il y a des choses qui vont totalement cribler ton mariage et le potentiel de là où est-ce que ça peut aller. Ouais. Voilà pourquoi... l'homme de Dieu, Jordan, est en train de nous dire que effectivement, le Seigneur était vraiment en train de le travailler. Et des fois, on n'est même pas conscient. Des fois, on n'est même pas conscient que, waouh, j'ai vraiment des choses à travailler. Oh, ceci, c'est un mauvais caractère. Tout le monde est en train de dire, oh, TTS, TTS, TTS. Les amis, laissez-moi vous dire la vérité. On a tous été TTS à un moment donné dans notre vie. On a tous, à un moment donné, été très, très, très spirituel parce que, je veux dire, c'est comme ça qu'on a grandi. On a tous été à un moment donné, dès que tu penses que tu connais un peu, puis là, après, tu commences à agir d'une certaine manière et tout et tout. Mais j'aime le fait qu'effectivement, il est en train de nous montrer que c'était impossible que je reste exactement de la même manière que j'étais. Parce que sinon,
fort probable, le mariage n'allait peut-être pas bien fonctionner. So, le Seigneur a dû le travailler tranquillement, tranquillement, tranquillement. Extrêmement important. J'espère qu'il y a un homme qui est en train d'entendre ce qui se passe présentement. Yes. S'il y a un homme qui est là, si les hommes peuvent juste écrire « J'entends, j'entends, j'entends. » Yes! Ah oui! Deep. Ah oui! Allez-y, allez-y, allez-y. Wow! En plus, il y a une personne qui est en train de dire, là, dans le commentaire, en plus, Gwen priait pour ça. Et Gwen, j'aimerais que tu puisses, juste pour faire durer encore plus le suspense, parce que tout le monde veut savoir comment cette situation s'est décantée. Incroyable. Mais on va les faire patienter un peu. Moi, je veux savoir, hein, ma chère, comment est-ce que tu as pu dissocier tes émotions de la voix du Seigneur? Parce qu'il y a peut-être une fille qui nous écoute en ce moment. Une jeune femme qui fait des rêves sur un frère de l'église. OK? Elle rêve de lui constamment. Et elle pense que c'est la voix de Dieu. Peut-être que c'est effectivement la voix de Dieu, comme ça peut juste être ses émotions, le fait qu'elle trouve l'homme tellement beau, il chante tellement bien ou il prêche tellement bien. Parce que ça aussi, ça peut nous pousser à rêver d'une personne. Let's be real. Ah oui. Le fait que tu regardes une personne, dimanche après dimanche, tu l'admires, bah, ça peut te faire rêver d'elle. Et finalement, tu commences à te créer tout un scénario entre toi et cette personne-là, pensant qu'un jour, cette personne va s'intéresser à toi. Ah, oui. Et la pire chose qui arrive, c'est que finalement, tu vois que cet homme épouse quelqu'un d'autre. Et là, tu t'énerves contre le gars, tu t'énerves contre Dieu, parce que tu penses que Dieu t'a menti. Oh, peut-être que Dieu ne t'avait jamais parlé à la base. C'est toi-même qui t'étais formé toute une histoire parce que tes émotions se sont emportées en voyant comment cet homme-là prêchait bien, parlait bien. Et là, tu as commencé à rêver de lui. Et comme tu as lu dans la Bible que Dieu parle aussi par les rêves, bah, tu t'es dit, ben, ça y est, c'est un message du Seigneur. Tu t'es accroché et finalement, boum, ton cœur est brisé. Comment est-ce qu'on peut aider les femmes qui sont à risque de se retrouver dans ce genre de situation très difficile? Et il y en a même d'autres qui poussent l'affaire un peu plus loin. Elles ont rêvé une fois, deux fois, trois fois. Elles se sont dit, ben là, le Seigneur m'a déjà parlé, surtout quand c'est la troisième fois, c'est que c'est la confirmation. Alors, laisse-moi aller foncer droit au but. Je vais aller vers cet homme et je vais aller lui dire qu'écoute, j'ai rêvé de toi trois fois. Dieu m'a parlé, tu es l'homme de ma vie. Comment est-ce qu'on peut aider une femme qui risque de faire ce genre d'action qui, malheureusement, il faut le dire, et je dois le dire, dépourvu de sagesse, parce que ça peut réellement pousser la fille à s'exposer à une éventuelle blessure émotionnelle. Okay? Comment est-ce qu'on pourrait aider ces femmes-là? Parce que toi, Dieu t'a parlé et il n'avait pas nécessairement parlé à Jordan. So, comment est-ce qu'on peut aider une femme qui, elle, pense que Dieu lui a parlé, mais comme, est-ce que c'est vraiment Dieu ou bien ce sont ses émotions? Comment est-ce qu'elle peut dissocier les deux? Oh, ça, c'était très bien dit. Très, très bien dit, oui. Aidons nos sœurs ici. Premièrement, c'est le discernement. Ça veut dire que ce soit un rêve, que ce soit une prophétie, peu importe ce qui se passe, il faut toujours sonder pour savoir est-ce que Dieu est dedans. Ça veut dire que quand on a un rêve, tout le monde rêve, mais ça peut être un rêve de la chair, un rêve de Dieu ou un rêve du diable. Donc, je dois déjà avoir le discernement. Parce que si je suis proche de Dieu, je suis intime avec Dieu, j'ai une relation avec Dieu, je reconnais la voix de Dieu. Donc, je sais que c'est Dieu et ce n'est pas ma propre voix à moi. Donc, la première chose, c'est avoir une relation sincère, stable et équilibrée de profondeur et de qualité avec le Seigneur. Parce que il nous dit lui-même, sa main, son bras est tendu. Il nous attend juste de nous. Donc, j'ai une question, je lui demande, il répond. Yes. J'ai juste à discuter avec le Seigneur et à lui demander. Il ne faut pas mettre une barrière, oui, Dieu, c'est un feu dévorant et tout ça. Non, non, non. On est dans une discussion, on est dans un dialogue constamment, constamment, constamment. Et aussi savoir faire la part des choses. Je pars du principe que si je suis appelée à être enfant de Dieu, à n'importe quel moment, je suis l'instrument du Seigneur et il peut me dire, va imposer les mains pour telle personne, va ressusciter un mort là. Et je ne peux pas me permettre, en tant qu'instrument du Seigneur, de laisser mes émotions passer. Parce que si le Seigneur a besoin de moi et que je ne suis pas disposée, je suis dans des sentiments là, oui, je t'aime, je suis amoureux, je ressens telle chose, et bah, je ne peux pas être utile à Dieu. Je ne peux pas faire la part des choses entre mes sentiments et ce que Dieu veut. Waouh!
Waouh. J'espère qu'il y a une femme qui a réellement ouvert son oreille. C'était très clair. Il faut faire la part des choses. Réellement, que le Seigneur aide une femme à avoir le discernement ce soir. Parce qu'on ne sert pas un Dieu de confusion. Ce n'est pas un Dieu de confusion. Donc, réellement, si tu as une relation sincère, comme Gwen nous l'a dit, avec le Saint-Esprit, il te parlera clairement. Tu sauras dissocier que là, en tout cas, c'est ma chair. Ça, en tout cas, ce sont mes émotions. Ça, c'est un rêve carrément de ma chair, ou pire, un rêve du diable. C'est vraiment pas de Dieu. Et ma prière est que tu puisses réellement être capable de discerner cela, pour ne pas que tu t'embourbes carrément dans des pensées qui vont te tenir captive. Et finalement, tu ne sauras plus comment t'en sortir. C'est pour ça que c'est important de pouvoir développer son homme intérieur, que son homme spirituel puisse grandir, de façon à ce que tu puisses ne pas marcher par la chair, ne pas marcher par tes émotions, mais avant tout être une femme qui marche par l'esprit. C'est ça qui va t'aider à faire la distinction, à faire la différence. Parce qu'on voit trop de femmes souffrir à cause de ce genre de situation. Là, l'histoire est intéressante, l'histoire est même excitante, on a hâte de connaître la fin. Mais on sait très bien qu'il y en a pour beaucoup de femmes en tout cas, ça finit pas comme ça. Ça finit que l'homme finalement est parti avec quelqu'un d'autre, et là toi tu restes avec le cœur brisé. Le Dieu qu'on sert n'est pas un Dieu de confusion. Alors nous t'encourageons à t'attacher à lui, à développer réellement ton écoute. Parce que si tu es son enfant, tu vas reconnaître sa voix. Développe ton écoute spirituelle et tu verras, le Seigneur va réellement te préserver de ce genre de situation négative. Osaka, c'est tellement incroyable de savoir aussi que le discernement, en fait, vient imposer, le discernement du Seigneur vient imposer la volonté de Dieu à un certain niveau aussi. Parce que là où Gwen était, je veux dire, peut-être qu'elle avait même jamais pensé que moi, je veux épouser un futur pasteur. Je veux rentrer dans une famille pastorale. C'était certainement pas dans ses plans au tout départ. Elle vous a un peu parlé un peu d'elle au départ. Copinage et tout, elle n'était pas vraiment nécessairement dans ces choses-là. Mais voilà, avec le discernement et voilà aussi avec l'appel qui était sur sa vie, elle a accepté cela et elle est rentrée dans ce monde-là parce que c'était le monde que le Seigneur avait pour elle. Alors le discernement aussi est venu illuminer ses yeux à comprendre que waouh, en fait Seigneur, tu me voulais à cette position-là. Maintenant, je suis pas en train de dire position dans le sens que ah ouais, il faudrait chercher que ah ouais, ben si le gars a telle position, bien il a pas telle position, ben je veux l'épouser ou bien je veux pas l'épouser. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Ce qu'on est en train de dire, c'est que elle a accepté la vie que le Seigneur avait prévue pour elle, une vie qu'elle-même n'avait même pas voulu pour elle-même. Elle vous a dit clairement au départ qu'ils ont même déménagé de là où ils étaient, de son confort, de ce qu'elle connaissait, de ce qui était planifié aussi. Et on voit la dimension réellement du Seigneur là-dedans. Et tout ça, c'est ça. C'est parce que le Saint-Esprit est en train de la guider. Absolument. Et je veux vraiment que ce soit clair pour tout le monde. Parce que j'ai vu dans les commentaires, « Oh, la fille, là, vraiment, elle est persévérante. Oh, la fille, là, vraiment, elle a souffert. Oh, la fille, là... » C'est pas qu'elle courait derrière ce gars-là juste parce que sa chair l'a poussée à le faire. Elle savait qu'est-ce qu'elle avait entendu du Seigneur. Elle était réellement dans une dimension spirituelle et non pas dans une dimension charnelle. Il faut vraiment faire la distinction. Ce n'est pas qu'elle courait après un homme juste parce qu'elle le trouvait beau. Non, la vérité est que même à l'époque, elle voyait très bien ses défauts. Mais elle savait ce que l'Esprit de Dieu avait déposé en elle. Et même malgré ça, elle n'était pas obsédée par la pensée de « Oh oui, il faut absolument que... » Non, elle priait pour lui, elle priait pour elle-même. Elle priait pour lui, elle continuait de grandir spirituellement. Elle priait pour lui, elle continuait de faire ce que le Seigneur lui demandait de faire. Elle priait pour lui, elle servait Dieu. Elle priait pour lui, puis... Elle n'était pas juste en mode, c'est lui, 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 puis... Je tiens réellement à insister là-dessus, parce que je sais comment tant de femmes souffrent à cause de ça. OK? Donc, juste pour que ce soit très clair. Maintenant, on peut écouter la suite de l'histoire. This is amazing. T'en étais à... Ton père t'a dit de rester en France. Ouais. Et puis, elle a dit que cet homme-là, c'est un pasteur. En plus, Dieu lui a parlé sur son futur mari. Juste pour vous dire à quel point elle était à une haute dimension spirituelle. Toi, Dieu ne t'a rien dit sur le gars. Tout ce que tu sais, c'est qu'il est beau et qu'il chante bien.
Elle, elle voyait des choses même que ce gars-là ne savait même pas sur lui-même. Donc, quand Dieu te révèle réellement par rapport à ton futur mari, c'est autre chose. Ce n'est pas quelque chose qui reste superficiel. Ça doit être une conviction deep qui touche réellement le domaine du spirituel. Incroyable. Gwen, t'es où? On veut la fin. Non, elle arrive. Elle arrive. Elle arrive. Et juste pour un peu rebondir un peu. Yes. C'est qu'au niveau du travail, Dieu travaille pas au niveau des saisons. Ouais. Parce que n'attendez pas de recevoir, comme mon père dit souvent, il y a des personnes qui sont dans la saison de l'hiver, ils s'attendent à avoir des fruits. C'est pas le temps pour. Et j'ai compris qu'en fait, le Seigneur, quand il travaille un cœur d'une personne comme moi, il l'a fait par période, il l'a fait par saison. Ah oui. Et des fois, il y a des personnes qui cherchent. Seigneur, transforme-moi. C'est pas le temps. Dieu, ce n'est pas à nous de connaître les temps et les saisons du Seigneur par rapport à une transformation. Et du coup, vers ce moment-là, bah, Dieu était en train de faire un travail à l'intérieur de moi. Amen. Un travail intérieur, un travail, un travail. Mon père a travaillé avec moi, mon père m'a conseillé. C'est pourquoi moi, la personne qui m'inspire le plus après Christ, bien sûr, c'est mon père. Parce que je vais expliquer une chose, c'est que pendant tout ce temps-là, mon père a toujours été une personne qui a été patient. Il m'écoutait, il parlait, il voyait mes erreurs. Et les trois seules personnes, on va dire, j'ai peut-être un cercle de cinq personnes qui me connaissent réellement. La plupart des personnes me donnent une étiquette. C'est-à-dire qu'ils ont vu orgueil, lui c'est un orgueilleux, laisse-le de tel côté. Mais mon père, mon épouse, ma mère et deux autres personnes, eux, ont eu la capacité de me voir dans l'esprit. C'est pour ça que j'aimerais encourager une personne aujourd'hui de dire « Arrêtez de regarder les gens avec vos yeux, mais regardez-les avec les yeux de la foi. » Amen. Parce que quand tu regardes une personne avec les yeux de la foi, c'est que tu donnes un futur à cette personne. Come on. Et c'est pourquoi le regard de Dieu n'est pas le regard des hommes. Parce que le regard des hommes te met une étiquette. Mais quand Dieu te regarde, il te dit « Mon sang a coulé pour toi, j'ai encore un avenir pour toi. » Est-ce que vous comprenez? Amen. Et c'est ça réellement l'amour. L'amour, c'est donner une seconde chance à une personne. Et j'ai vu que pendant des années, Dieu m'a donné une chance. Dieu m'a donné une grâce de travailler mon cœur. Et vous savez une chose, ce qui est le plus marrant, c'est que les gens qui me connaissent profondément savent que je ne suis pas connu pour mes prédications ou le feu que je relâche, bien que je le fasse, par la grâce de Dieu, mais c'est par la qualité du cœur que j'ai à l'intérieur. Et si vous saviez une chose, dans notre couple, la personne la plus sensible pour les gens, c'est pas elle. Oui. Il faut bien expliquer. Sensible. Sensible. Quand on parle de sensible, je ne parle pas de sensibilité spirituelle. Je parle pas de ça. C'est la sensibilité, c'est-à-dire la capacité de toujours voir le bien dans une personne, en fait. Amen. Ça veut dire qu'en fait, moi, on me présente plein de gens. Même si la personne m'a insulté, je la regarde avec les yeux d'amour, la personne. Et ça, c'est quelque chose vraiment de très important parce que s'il l'a fait pour moi, je dois le faire aussi pour les autres. Amen. Très important. Voilà. Très fort. Et ça, c'est vraiment la petite facette où ben, voilà, je suis orgueilleux. Et moi, en fait, une chose qui est aussi très importante, c'est que quand j'allais devant Dieu, je reconnaissais mon état. Parce qu'il y a des personnes qui sont aveugles de leur état et Dieu ne peut pas guérir une personne qui est aveugle de son état. Je dis, Seigneur, je suis orgueilleux, change-moi, j'ai envie de changer. Parce que je savais très bien que l'orgueil, en d'autres termes, bah, ne permet pas la connexion. En fait, ça nous bloque, ça empêche que notre destinée d'avancer. Et ça, c'est absolument très important d'avoir un cœur qui est malléable pour le Seigneur, c'est-à-dire un cœur de chair et non pas un cœur de pierre qui est dur. Ok ? Donc, du coup, bah, à travers de ce moment-là, bah, Dieu était en train de travailler mon cœur. Wow. Il était en train de me dire, celui qui s'élève va être rabaissé. Il m'a montré Josué en termes de prédication, fouf, au-dessus. Il me montre bah, la future, parce que c'était mon épouse, qui avait une autre dimension, qu'il y a des choses que tu n'as pas. Et ce que toi, tu n'as pas, l'autre là. Et ça, c'est vraiment quelque chose vraiment de très, très, très important. Et du coup, après cette histoire, on a commencé à parler. Ouais, parce que du coup, on s'est appelé.
Ça donc lui, il prenait le taxi pour du coup prendre l'Eurostar et venir à Meaux. Mmh. Et pendant ces 3 jours de conférence, donc là on est au mois de mars 2016, pendant ces 3 jours de conférence, on n'arrêtait pas de rigoler, discuter. Dès que le culte était fini, on passait des minutes et des minutes à discuter. Ah. Attendez, mais attendez, parce que là, vous nous avez laissé dans la dimension de la petite, ouais, qui finalement est devenue, bon, un petit peu plus intéressante sur Messenger. Finalement, au téléphone, pendant que je cours pour mon taxi, puis là, la prophétesse qui vient me dire que je vais être pasteur. Comment maintenant le rire est rentré dans tout ça, là? C'est-à-dire? Bah, la conférence, parce que du coup, oui, lui, il était rentré à Meaux pour suivre la conférence à l'église. Ok. Je ne sais pas si on doit dire le nom, je ne sais pas. Mais dis-le, c'était quoi le nom? En fait, ma question, c'est comment vous êtes devenus amis? C'est ça, ça s'est développé comment? Ça s'est développé comment? Parce que du coup, la porte était ouverte. Si on s'appelle, c'est que je peux aller te parler. Tu ne vas pas m'appeler petite, tu ne vas pas me... non, ce n'était pas ça. On a oublié quelque chose. Parce qu'en fait, du coup, quand son père lui a dit... de rester... Ah, c'est bon, je me souviens. Voilà, ouais, vas-y, explique. Il y a l'instant, je sais que dans mon esprit, je dois être en France. Donc, ouais, je savais que mon stage d'études se terminait dans quelques mois. Mmh. Et il n'était pas question que je reste à Londres. Voilà. Je vais rentrer. Et du coup, quand je suis revenu à la deuxième conférence, on a commencé à parler, on a commencé à échanger, on parlait, on discutait. Je suis reparti à Londres parce que je devais finir mon stage. Et du coup, je vois la fille de Londres. Je lui dis, écoute, j'ai entendu Dieu dans mon esprit, je dois retourner en France. Et là... Voilà. Ça c'est un détail très important. Ça, c'est très, très, moi, très important. Moi, je voulais savoir, est-ce que la fille de Londres, vous continuez à vous parler en même temps? Non. Je lui dis, écoute, je sens dans mon esprit, et j'étais dans le centre commercial à l'époque, on marchait. Et je lui dis, écoute, moi, il faut que je rentre. De rentrer, j'ai la ferme conviction. Oui, mais t'as pas été honnête avec moi et tout. Bah, à l'époque, j'étais dans l'ignorance. Je savais pas si je devais être à Londres, si je devais être en France. J'en savais rien, moi. Mais maintenant, vu que Dieu m'a parlé, j'ai la conviction, je rentre. C'est ça. Tu vois? Et à un moment, j'ai même essayé de dire, bah, viens en France, viens, on y va. Il m'a dit, non, moi, c'est Londres et tout. Et puis après... That's it. Avant ça, il y a eu et au moins, tu as été capable de dire, you know what, je dois quand même lui dire, parce qu'il y a beaucoup de personnes, ils sont mariés, mais il y a tellement de dossiers en suspens, il y a tellement de dossiers à moitié résolus, on ne sait plus qu'est-ce qui se passe. Donc, ah non, dossier bouclé. C'est la vérité. C'est la vérité. Tu n'étais pas obligé d'être méchant, mais au moins, il fallait le dire clairement. Écoute, oui, on parlait et tout, mais moi, je te dis, pour moi, c'est la France. Et si pour toi, clairement, c'est Londres, ben écoute, je pense que tout est clair. Ciao, bye. Il n'y a pas d'autre révélation à aller chercher. Et elle m'a dit qu'on a oublié un truc. C'est quoi? Parce qu'il y a eu l'épisode de la petite, mais il y a aussi eu l'épisode où du coup, il a joué son rôle de responsable des jeunes et il a voulu me faire venir à une réunion des jeunes. Ah oui! Voilà. Les amis, on n'a même pas terminé encore. Oui, je me souviens. Vas-y, expliquez, allez-y. Ah oui, okay. Tu sais, c'était quand? C'était avant la conférence ou c'était quand ce moment-là, ça? Non, mais c'était au moment de... Je me souviens. C'était après la conférence. Voilà, oui. C'était après... Oui. Ouais, ah, je me souviens. Définitivement. Je me souviens. Aïe. C'était horrible. En fait, comme je ne comprenais pas la relation que j'avais, la relation avec elle, et moi, à l'époque, je voulais marcher clairement dans la sainteté. Mmh. Mais clairement. Pour moi, une fille qui arrivait, ce n'était pas mariage, c'était « je t'aime, mais au loin ». Du coup, à cette époque-là, je ne sais pas comment le dire, mais bon, j'avais 2 associés qui étaient avec moi en tant que responsable des jeunes. Et je fais « Eh, hop, venez ici, là, il y a une personne qui est là. » Parce que, en fait, si, j'ai fait ça. Il me dit « Ouais, bah viens samedi aux réunions des jeunes. » Et je lui dis… Elle n'allait pas parce que je n'étais pas là. Je lui ai dit « Je viendrai quand tu seras là. » Voilà. J'ai voulu l'enseigner. I like that answer. Ça, c'est le détail. I love that answer.
Voilà. Parce qu'en fait, j'ai vu qu'on s'entendait bien. Et pour moi, comme je vous avais expliqué tout à l'heure, c'était une future partenaire bah, dans les choses de Dieu, dans le ministère. Et du coup, on parle. Je lui dis, bah, tu sais que c'est important la communion fraternelle. Il y a des réunions de jeunes dans l'église. Vas-y, c'est important. Et elle me dit, ah ouais. Je dis, mais vas-y. Mais après, j'ai dit, bah, j'ai appelé les deux associés qui travaillent avec moi. Non, j'ai dit, je viendrai quand tu seras là. Et mais là, je les ai appelés. Il est devenu gêné et il a demandé à un frère de venir et s'occuper de moi. Voilà. Il a dit, viens, viens, occupe-toi de la sœur, s'il te plaît. Et il est parti, il m'a laissé comme ça. Parce que pour moi, en fait, c'était, je vais pas dire Satan, mais c'était une occasion de chute. Parce ouais. qu'il m'a dit, non, en fait, moi, je viendrai quand tu seras là. Parce que du coup, son père avait dit, ouais, t'es un parasite, toi, tu restes en France et tout ça. Et du coup, il savait pas quand il allait revenir, mais il allait revenir avant la fin du mois de mars, définitivement. Il allait ouais. revenir sur mot. Donc moi, j'ai dit, bah écoute, moi, il n'y a pas de souci. Le samedi, j'ai une réunion des jeunes. Bah, quand tu es là, comme tu reviens bientôt, je reviendrai quand tu seras là. Et là, attends ton retour. Et moi, pour moi, j'ai dit, c'est un affront, ça. Tu dois venir pour la parole de Dieu. Et elle, elle me dit, je viendrai quand toi, tu seras là. Parce qu'en fait, du coup, je pensais qu'il savait. Parce que moi, je ne savais pas. J'avais eu un rêve où il me disait, ouais, je sais. Comme si, en fait, il savait. Ça, c'est très intéressant, ça. Ça, c'est très intéressant, ça. Vous voyez, les amis, donc, si vous comprenez bien, on vit. Donc, Jordan est là, Gwen est là, ils vivent dans deux mondes totalement différents. Donc, non, c'est fort. Et ce qui me fait rire, c'est qu'il y a une réalité qui se passe dans le monde spirituel qu'elle voit dans l'esprit. Et il y a une autre réalité qui se passe dans le monde naturel. Tout est en parallèle. Incroyable. Waouh. En tout cas, continuez. Bah oui, parce que je suis en train de lui parler. Parce qu'après, j'ai fait mon rôle de futur pasteur. Je lui ai dit, il y a la communion fraternelle. Les jeunes se rassemblent le samedi. C'est assez dynamique. Donc, vas-y. Bah non, moi, quand tu seras là, je viendrai. Il fait, ah. Là, j'ai dit, il y a une sorte d'attache. Appelez tel père, s'il vous plaît, là, occupe-toi d'elle, parce que là, je sens qu'il y a un truc bizarre, tu vois. Moi, je ne veux pas être dans ces histoires-là, quoi. Et là, après, j'ai dit à ma mère, moi, là, je lui ai dit, maman, là, tu sais pas ce qui m'a fait déjà le coup de la tarte, j'ai laissé passer. Cette tarte-là est légendaire, et les gens ont dit, la tarte est légendaire. Vraiment, Gwen, en tout cas, j'ai dit, là, je suis en train de lui dire que je viens. Quand il sera là, il va chercher quelqu'un, il part, il me laisse comme ça. J'ai dit non. J'ai dit non, Seigneur, là, c'est trop. Waouh. J'ai dit, moi, je prie pour lui, je fais tout ça. Mais j'ai dit, là, Seigneur, là, non. J'ai dit, c'est une farce. Il y a quelque chose. Il y a quelqu'un qui a dit, sécurité, prenez-la. La sécurité est la même. J'ai dit, non seulement il va croire que je suis psychopathe ou je suis non, parce un esprit qui est là. Il faut comprendre une chose. À cette place, j'étais très méfiant. Parce que j'avais toujours entendu mon père me dire, Jordan, le mariage, on ne joue pas avec le mariage. Il était vraiment fermé. Et il me disait, Jordan, fils, il y a plusieurs personnes qui ont raté leur destinée à cause d'un mauvais choix. Pas parce qu'une femme est mauvaise, mais à cause du mauvais choix. Soit une femme qui a trouvé un mari, ou soit c'est un homme qui a trouvé une femme. Peu importe, ça va dans les deux sens. Il n'y a pas juste un homme. Voilà. Il m'expliquait l'importance de ça. Et moi, en fait, ça m'effrayait. En fait, ça m'effrayait. Mais j'avais une crainte de Dieu. Je me dis, non, je ne peux pas fréquenter n'importe qui. Je ne peux pas faire n'importe quoi. Et moi, pour moi, à l'œuvre, et moi, je voulais faire comme mon père. Mon père, il m'a toujours dit, quand il rencontrait ma mère, il était dans l'œuvre. Il avançait, il ne cherchait pas à regarder. Mais il faut savoir aussi une chose, c'est que je voudrais aussi encourager peut-être des frères qui sont zélés, travailler pour Dieu, mais aussi les yeux ouverts. Ouais, c'est ça. C'est important. C'est-à-dire que tu sais que tu es dans ta saison, tu ne penses pas à ça, tu penses qu'à Dieu, mais tu sais que si le Seigneur t'a mis à cœur quelque chose, ouvre tes yeux. Et moi, en plus, à ce moment-là, bah, le Seigneur m'avait dit que bah, c'était le temps pour moi. C'est ça. Mais pour moi, ce n'était pas elle. Enfin, en fait, mais il n'y avait pas eu la révélation comme Adam devant elle. Voici celle qui a... Mais c'est quand la révélation? On attend la révélation. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est passé dans tes fêtes, est incroyable. Mais on va le dire encore.
Et du coup, moi, je pensais qu'il savait. Donc, c'est pour ça que je faisais des petites allusions. Parce que je me suis dit, attends, le gars, il est toujours en train de prier. Toujours là devant, comme ça. Gwen, il faut que je t'arrête. Et voilà, il faut que je t'arrête un instant. Ça, c'est très important ce que tu es en train de dire. Ouais. Toi, dans ta tête, t'es sûr que le gars, il sait tes sentiments envers lui. Et le gars envers toi, il est comme, ben, à la limite, il se dit, mais j'espère qu'il ne pense pas que... Pas les sentiments, mais qu'il savait, parce qu'en fait, comme du coup, lui, il était fait pour être ensemble. Il était déjà dans le ministère, c'est-à-dire que moi, j'étais juste là comme ça, j'étais vraiment une brebis, je venais à l'église que le dimanche, c'était très compliqué, j'étais hébergée chez quelqu'un, enfin, tout était compliqué dans ma vie à cette période-là, et je me suis dit, mais lui qui est là, grand homme de Dieu, forcément, il sait. C'est ça. Vraiment. Mais c'est ça que je suis en train de dire. C'est ça que je suis en train de dire, c'est que justement, comme oui, il est mais... l'homme de Dieu, oui, mais... il est à l'église, il mais... prie, il est constamment dans la présence de Dieu. Joey, il y a un détail que je ne peux pas rentrer dedans, que je t'explique en privé. Non, il n'y a pas de problème. Qui a amené ma manière d'être comme ça. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui disent « Oui, mais pourquoi tu es comme ça, tu as pris seulement de ne pas voir ?» Non, c'est qu'il y a eu des événements avant. Absolument, ouais, absolument, okay. On comprend ça. C'est un truc que je ne peux pas dire en live. Okay. Tout à fait. Il y a eu des événements avant qui m'ont amené à devenir comme ça. Absolument. Ouais. Non, il n'y a pas de souci. Et ça, c'est quelque chose qu'on partagera, nous quatre, sur un oui, coup, oui, mais... C'est important de le mentionner. Ça. Oui, c'est très important de le mentionner, les amis, parce qu'à la fin de la journée, ce qu'on écoute, c'est un témoignage. Ouais. Quand je dis c'est un témoignage, ça veut dire c'est leur histoire à eux. La façon dont ils l'ont vécu, ça ne veut pas dire que toi, tu vas vivre de la même manière. C'est ça. Et il faut comprendre qu'il y a d'autres paramètres que tu ne connais pas qui ont fait en sorte qu'ils aient vécu cette histoire-là de cette façon. Okay? Donc, gardez toujours en tête que bien que ce soit édifiant, ça reste un témoignage. C'est ça. Donc, ça veut dire que c'est leur histoire à eux personnellement. Toi, ton histoire sera différente, mais ça n'empêche pas que tu puisses prendre réellement certains points de ce qu'ils disent pour que tu sois édifié. Tu dois avoir de la sagesse. Que tu agisses avec sagesse. Voilà, tu dois avoir de la sagesse d'être capable de prendre ce qui est bon pour toi. Voilà. Et on comprend que dans le témoignage, dans le bon et dans le mauvais, c'est ça qui a fait, en fait, leur histoire. C'est ça qui constitue leur histoire et c'est ça qui fait en sorte qu'ils sont là où ils sont aujourd'hui. Donc, effectivement, dans tout ce qu'on entend, il y a la sagesse. Et vraiment, c'est merveilleux. Non, c'est totalement merveilleux. Le live va bientôt toucher les 2 heures. Là, ça fait bientôt 2 heures qu'on est connecté. Là, c'est merveilleux. On vous laisse raconter la fin. Ah oui, c'est merveilleux. Alors, du coup, moi, comme j'avais eu une certaine expérience, je m'étais braqué sur plein de choses. Donc, du coup, quand moi, j'ai vu la personne arriver, j'ai dit, hé, sécurité, comme quelqu'un a dit, allez la chercher. Sécurité. Venez la prendre vite. Et voilà, parce que je l'enseignais, je disais l'importance de tout ça. Et là, on a commencé un peu plus à parler et autres. OK? Donc, du coup, est-ce qu'on rentre directement dans le truc ou... Jordan veut faire durer le suspense. Ayez pitié de nous. Il n'y a pas de problème, non. Depuis, on attend. Non, il n'y a pas de pitié. Racontez l'histoire comme... après, on a commencé à continuer à parler sur Messenger. Voilà, on parle. C'était un peu plus dynamique. Là, on s'appelait vraiment parce qu'il n'était toujours pas dans cette optique d'échanger par message. On s'appelait. Donc, quand il est rentré, voilà, est-ce que tu es bien rentré? Encore une fois. Toujours très, très dynamique. Donc, il me disait, voilà, il prépare ses affaires pour rentrer définitivement. Définitivement en France. Donc voilà, j'étais contente. Je continuais toujours à être dans la prière. Et voilà, parce que le but, c'était pas que ça aille vite. Que c'est ce soit... Voilà, parce que je me disais, bon, si Dieu déjà m'a montré au mois de septembre, on arrive février, mars. Déjà, je me disais, bon, là, on rentre déjà dans la saison, le temps. Il y a des choses qui s'accélèrent, mais ça ne veut pas non plus dire qu'il va y avoir mariage, là, dans la seconde. C'est ça. Donc, du coup, on apprenait vraiment à se connaître, on discutait, on dialoguait vraiment beaucoup. On s'exhortait, vraiment pas mal de choses. Et, à distance. Que via Messenger. Parce qu'elle a dit, on échangeait beaucoup. Je connais certaines personnes. Il était toujours à Londres et moi, j'étais toujours à distance. Ouais. À distance. Parce que je connais. Ah oui, donc j'étais dans le live de Double Date. Et puis, ils échangeaient beaucoup. Donc, moi aussi, ma soeur, je dois échanger aussi avec toi.
à distance. Et après, du coup, il est rentré définitivement. Vers mars. Oui, c'est ça. Mars 2016. Hein, juste après mon anniversaire, en fait. Voilà. Oh. Donc, mi-mars. Retenez mars, s'il vous plaît. Est-ce qu'ils peuvent dire dans le live mars? Mars, écrivez Mars dans les commentaires. Il faut qu'ils écrivent Mars. Parce que ça, c'est un détail que je n'ai pas vu, mais on va vous expliquer la signification du mois de mars. Allez-y, allez-y. Comment, il faut qu'ils écrivent Mars. Mais là, ils n'écrivent pas, je ne les vois pas. Elle est née au mois de mars. Donc voilà. Comment? Ah oui. Mon anniversaire, c'est le 6 mars. Aïe, aïe, aïe. Yes. Et là, ils n'écrivent pas Mars. Donc s'ils n'écrivent pas Mars, on ne va pas débuter. On attend. Écrivez, écrivez Mars. Yes. Ok. Mars. Regardez comment Dieu fait les choses. Let's go. Mon âge s'arrête en mars. Ok. Ok. On s'est mariés au mois de mars. Mais pas de la même année. Attendez, c'est juste pour bien. Ok. Ouais, c'est ça. Écoutez, on s'est mariés en mars. Mon stage finit en mars. On s'est mariés en mars. Elle est née le mois de mars. Oh. C'était le Seigneur qui me disait, deux, tu vois, je t'ai pas oublié. Trois. Après la tarte. Le chiffre 3. Après tout ça, je t'ai pas oublié. Eh bien, regardez bien une chose. Mon stage est fini en mars. On s'est mariés en mars. Elle est née en mars. Le chiffre 3. Et le mois de mars, c'est le troisième mois. Le chiffre 3. Le mois de mars, c'est le troisième mois en plus. Est-ce que le chiffre 3, pour ceux qui sont un tant soit peu croyants... Prophétique. Ça veut dire que Jordan était dans un profond sommeil. Come on. Mais au mois de mars, il est ressuscité et ses yeux se sont ouverts. Est-ce que vous êtes en train de suivre ce que je suis en train de vous dire? Comment? Et je me souviens vraiment, j'ai dit, Seigneur, franchement, si tu veux me faire un cadeau d'anniversaire cette année, qu'il puisse rentrer définitivement en France. Et je rentre en mars, son anniversaire. Wow. Wow. Et du coup... Il y a eu un moment, bah, on parle en téléphone. Donc là, on est en mars 2016. 2016, oui, oui, oui. Et je lui dis une chose, je lui dis, je suis sûr que tu sais ce que moi, je sais. Je lui dis ça. Attends, mais je commence. Mais écoutez bien encore. Attends. J'ai pas envie d'étirer encore plus la vidéo parce que le suspense est déjà trop grave. Incroyable. Mais il faut qu'on comprenne bien les choses quand même. Quand même, gars, j'espère que vous êtes encore là. Donc, dans quel sens? On est là, on est à 900, on est à 915. On oui, est là. 915, s'il vous plaît. Aidez-moi. We need to understand. Yeah. Dans quelles circonstances tu lui dis ça? Je suis chez moi, dans ma chambre, chez mes parents. Donc, là, yes. Okay. Tu es en France. Je suis chez mes parents. De retour en France. Je suis définitivement en France. En mars. Yes. Ok. Mars 2016, let's go. 2016. J'entre et à l'époque, je traversais une certaine tribulation spirituelle. Et comme je savais qu'elle avait l'œil prophétique, je me suis dit qu'elle savait ce que je vivais. Wow. Et en fait, je voulais lui confesser ma faiblesse que j'avais dans le domaine spirituel. Qu'elle savait, mais... et moi, je lui dis, je suis sûr que tu sais ce que je suis en train de traverser. Elle m'a dit... Quoi? Non. Après, j'ai dit quoi? Je l'ai forcé. J'ai dit, hé, dis-le-moi parce que toi, tu sais. Et j'ai dit, dis-moi tout de suite, là. Tu sais ce que je sais. Et là, non, on va redescendre encore. Je réexplique pour ceux qui rentrent dans le live. À ce moment-là, je traversais un problème spirituel qui pouvait entacher ma carrière dans le ministère. Absolument. Wow. OK? Absolument. Donc, comme avec les exemples pour ceux qui étaient devant l'église, j'étais avec le prophète Josué, j'ai vu que ses yeux étaient ouverts. Donc, quand je parlais avec elle, c'était plus la petite, mais je la voyais comme la dimension prophétique. La grande. Dis-le, 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 dis-le. Reconnais la grande, reconnais. En tout cas, dans le domaine spirituel, j'avais... parce que pour moi, en fait, elle voyait tout. Waouh. Donc, je ne pouvais pas arriver à dire « Ouais, gaga. » Pour moi, elle voyait tout. Donc, je lui ai dit « Je suis sûr que tu sais ce que je suis en train de traverser et ce n'est pas facile pour moi. Wow. »
Elle me dit, elle commence à tourner autour, autour du pot. Et pour moi, comme c'était très gênant, je lui dis, vas-y, dis-moi, parce que je n'ai pas le dire. Parce que j'avais encore un peu cette fierté. Dis-moi. Elle dit non. J'avais deux possibilités. Soit je disais ce à quoi il pensait. Ou soit elle disait ce qu'elle avait dans son cœur. Ce que moi, je pensais. Et wow, là, this is amazing. What is going on? Et moi, je fais le fort. Et regardez. Ce que Dieu fait. Ne pose même pas la question. Écoutez bien. Dieu prend ma faiblesse parce que la Bible déclare confessez vos péchés, ok, afin d'être guéri de tout ça. Donc oui, moi, je suis dans une dynamique comme vous avez expliqué. Moi, Dieu me travaille beaucoup au travers du cœur et j'ai un cœur pour Dieu. Je suis comme David, je suis plein d'erreurs. Et par contre, quand je fais une erreur, je le confesse devant Dieu tout de suite. Et du coup, je me suis dit que cette personne-là, elle pourrait être une personne de confiance, que je la voyais comme une partenaire dans le ministère. Donc j'étais sur le point de lui confesser un problème spirituel. Mais je me suis dit, c'est trop facile. Elle voit dans l'esprit, elle est censée savoir. Donc, je lui ai dit, vas-y, dis-le, parce que tu sais ce que je traverse. Tu sais ce que moi, j'ai envie de te dire. Je sais que tu sais. Et elle fait, de quoi tu parles? Et elle essaie de tourner. J'ai dit, dis-le. Elle dit, non. Et on tourne comme ça pendant un petit moment, comme ça. Je lui ai dit, hey. J'ai dit, Gwen, là, je suis fatigué, là. Okay. Dis-moi. Et là, je commençais un peu à voir. Parce que moi, je suis quelqu'un. Parce qu'écoutez bien, je ne suis pas quelqu'un qui va arriver. Pasteur, tous les pasteurs sont parfaits. Faux. Je n'étais pas consacré, j'avais l'appel, mais j'avais plein de défauts. Mais Dieu, en fait, j'ai compris une chose. Dieu aime que les personnes aient des défauts. Vous savez pourquoi? Parce qu'il veut s'assurer que quand quelqu'un a un défaut, il peut le parfaire. Ça veut dire que moi, j'étais simplement un chef-d'œuvre brut. Mais Dieu, en fait, il disait, hey, voici mon chef-d'œuvre brut, je vais le travailler. Et du coup, moi, j'avais toujours ce cœur-là de confesser mes erreurs. En fait, j'étais déjà venu voir mon père et certains collèges pastoraux de l'époque, de dire, voilà, il y a telle chose dans ma vie. Et moi, je suis quelqu'un qui est comme ça. C'est l'ouverture de mon cœur. Je vais voir mon père. Je dis, papa, il y a telle chose dans ma vie. Voilà. Et moi, j'ai dans cette dynamique-là aussi avec elle. Donc, je lui dis, écoute, Gwen, tu as vu mon appel, tu as vu plein de choses et tout. Arrête de jouer avec moi. Dis-moi ce que tu as vu dedans. S'il te plaît, viens me le dire. Et elle commence à me tourner autour de... Et moi, je commence à être fatigué. J'ai dit, écoute, hey, là, tu commences à me fatiguer. Dis les choses clairement, s'il te plaît. Et au bout d'un moment, elle me dit, on est fait pour travailler. Et voilà, je me souviens très bien qu'elle m'a dit, on va travailler ensemble. Et moi, je fais quoi? Toujours aveugle? Ouais, mais ça jamais, de toute façon, c'est ce que je veux dire. On va travailler ensemble, parce que moi, pour moi, je la voyais partenaire du ministère. On va travailler ensemble. Je lui dis, tu m'informes rien, je sais qu'on va travailler ensemble. Oui, mais on va être très proche. Et je ne comprends toujours pas. On va être ensemble. On va travailler ensemble. On sera toi et moi. Et là, je ne comprends toujours pas. Je fais, mais je sais, on va travailler ensemble. Je suis responsable des jeunes. Et je m'impatiente. Je dis, mais dis-moi. Et là, elle sort. Dis ce que tu as dit. Dis. On est appelé à être mariés. Elle m'a dit un truc comme ça. Et là, silence au téléphone. Silence. Wow. C'était un mélange de la peur. Et moi, écoutez bien. Moi, je m'attends à confesser quelque chose et j'entends ça. Et je suis là, je fais. T'es sérieuse? Parce qu'en fait, moi, je me suis dit, c'est forcément un signe. Là, ça y est, c'est Dieu qui me dit, vas-y, let's go. Mettez-vous d'accord. Vous savez tous les deux que voilà, vous êtes chair de votre chair, os de vos os et tout. Et là, franchement, je ne sais pas si c'est Dieu ou si c'est justement ma chair. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'avais le choix entre dire le problème spirituel, dire Dieu m'a dit, tu es mon mari. Et elle devait discerner. Et là, justement, et ben là, c'est l'émotion qui est partie, parce que si ça se trouve, Dieu voulait m'utiliser pour son problème spirituel. Et là, c'est l'émotion qui est partie, et j'ai dit, on est appelé à travailler ensemble, plus si affinité, vraiment très très proche. En plus, il ne comprenait pas, j'étais dans un truc, plus j'essayais de lui faire comprendre, moins je comprenais pas. Je m'enfonçais de plus en plus, et je me disais, là, c'est foutu, il y avait un blanc qui s'était installé, le gars parlait plus, s'il y avait des mouches, on pouvait même entendre les mouches voler, il était dans sa chambre, moi j'étais dans ma chambre, on était au téléphone, et je me suis dit, Seigneur, mais là c'est catastrophique, le truc il est irrécupérable, j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Silence. Silence, pendant longtemps. Et un silence, et après vous savez ce que je fais? Je t'appelle demain.
rapproché. Et il m'a laissé comme ça. Oh là 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 là. Parce que pour moi, dans ma tête, j'ai dit, bah là, c'est l'opportunité de confesser quelque chose, une erreur. Mais elle, elle me sort ça et moi, je suis là. En fait, je suis en défaillance, je suis là. Je suis sur le point de confesser quelque chose et je reçois ça. Je lui dis, on s'appelle demain. Et je me suis retrouvée comme ça en mode, ok, bon, bah, Seigneur, on fait quoi? Oh mon Dieu! Waouh! Et je crois que je t'ai rien dit pendant tout le truc et c'est le lendemain, je crois, c'est ça? Et du coup, le lendemain, il a laissé passer très, 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 très longtemps. Et il m'a appelé le lendemain et il m'a dit, bon ben voilà, on va apprendre à faire connaissance. Je te dis pas oui, je te dis pas non, je te dis rien du tout. On va apprendre à faire connaissance. Et on s'est retrouvés vraiment toujours sur Messenger. Hein. Il n'avait pas encore de numéro. Ça va être marrant. Il n'avait pas encore de numéro français. Oui, parce que j'avais changé mon... J'avais fermé mon forfait celui anglais. Et du coup, j'avais pas de forfait, truc. On était toujours et on parlait à distance. Voilà, toujours à distance. Sur Messenger. Pas en FaceTime, hein, vraiment en téléphone. Voilà. Ouais. Vraiment en téléphone. Et on restait vraiment très, très longtemps à discuter au téléphone. Et il y a eu ce moment où on a dit, il faut qu'on puisse se voir. Parce qu'en fait, moi, dans ma tête, bah, orgueilleux que j'étais à cette époque-là, j'avais eu une vague vision de la personne, en fait. Du coup, quand il a eu fini de réfléchir, il m'a dit, bah, ce serait bien qu'on puisse se voir. Voilà. Et moi, mon intention, vous savez ce que c'était? J'ai dit, mais je sais qu'elle est métisse, mais enfin, je ne l'ai pas trop calculé. Je ne sais pas à quoi elle ressemble réellement. Et moi, en fait, je voulais la voir pour voir si elle était belle. Tu vois ce que je veux dire, tu vois? Absolument. Wow. Absolument. Parce qu'en fait, mes yeux étaient tellement voilés que je ne la voyais même pas, en fait. Waouh. Et ça veut dire que je parle. En fait, c'est comme si tu parlais à une personne. Ouais, tu vois. Et mais bon, moi, ma tête, elle était loin. Je m'entendais bien avec elle. C'est fort ce que tu dis. C'est très, très fort ce que tu dis. Mon cœur. Donc, mon tu peux être avec une personne. C'est devant. Écoutez les hommes, parce que des fois, c'est comme. Des fois, on se tourne la tête, on ne sait pas ce que c'est. Mais des fois, elle est vraiment devant toi. Toute la bénédiction que le Seigneur veut pour toi, elle est là, mais tu vois rien. Absolument aveuglé. Et je lui dis, il faut qu'on se voit. Et c'est, du coup, ça s'est passé le mercredi. Enfin, on s'est vu le vendredi, juste avant le culte. Parce que le vendredi, à cette époque-là, on avait un culte de 20h à 21h30. Donc, du coup, on s'était donné rendez-vous le vendredi, juste avant le culte, pour discuter vraiment en face-à-face, hors église, mais vraiment en face-à-face, pas de téléphone, personne. Enfin, quand je dis et se voir. On était dans un lieu public, c'est-à-dire on était dans un parc. Un espace très ouvert où les gens passent. Voilà. Et c'était sur un banc, je me souviens du banc. Un vrai banc. Un banc en face d'une salle de fête. Il y avait salle de fête. Les gens passaient. Pas la nuit. En plein jour. Pas la nuit. Le jour. En plein jour. Un lieu public, un parc, un parking, un truc ouvert. Ça fait voilà. Parc. Okay. Parking, les gens passent. Et en plus, à côté, il y a un commissariat. Il y a une école. Et moi, dans mon optique, j'étais en train de me dire, elle est très intéressante parce que c'est comme, vous voyez, quand... Bon, ça, c'est pas exactement la même chose. Mais vous voyez, quand le cœur de Jonathan s'est attaché à David. Oui. Ouais. Un exemple comme ça. Bah, mon cœur s'est attaché à cette personne-là juste de cœur. Mais il fallait que je puisse voir la marchandise parce que moi, en fait, mes yeux étaient tellement fermés. Il fallait que je la voie. Je me dis, attends, je parle avec la personne, je m'entends bien, il faut que je la voie. Et puis, je te donne rendez-vous. On arrive. Qui arrive en premier? C'est moi ou c'est toi? T'habitais juste à côté, toi. En fait, j'habitais juste à côté. C'était en bas de chez moi, en fait. Voilà. Okay. Moi, j'arrivais en voiture. J'arrivais en voiture. Et du coup, on s'est assis et il faisait très froid. Donc, on était au mois de mars. On était fin mars. Et il faisait très, très froid à cette époque-là. Donc, mars 2016. Il faisait très, très froid. Et... On ne peut pas être classe et mettre des grosses doudounes. Donc, moi, comme je suis quelqu'un qui aime anticiper les choses, je me suis couverte. Mais monsieur, c'était soit être classe, soit avoir chaud. Il a préféré être classe, donc il a eu froid. Donc, du coup, il me dit oui, il fait froid. Donc, du coup, on a été dans. Bah,
enfin, comme il y avait culte, du coup, il m'a emmené à l'église. Donc, okay. ce jour-là, voilà, on est arrivés ensemble et je crois qu'après, tu m'as déposé à la maison. Et, ouais. Voilà. Et après, on a continué à discuter comme ça. Et là, j'avais vu la marchandise, j'avais vu. Voilà. J'ai pu regarder bon. Quel avis j'avais fait. Et après, du très coup, important. Vraiment. Une fois qu'il a, bah, du coup, qu'il m'a vu, parce que moi, je l'avais déjà vu depuis juillet, août, septembre 2015. Donc, je savais comment il parlait. Voilà, je voyais un petit peu ses expressions. Mm-hmm. Mais lui, il ne savait rien de moi. Il ne me regardait pas dans ce sens-là. Il me regardait dans le sens... Bah, c'est ça. C'est ça. T'es une future brebis. Il me voyait dans ce sens-là. Et du coup, après qu'il a eu bah, du coup, ce feu vert, entre guillemets, dans son esprit, il a commencé à me poser des questions pour savoir quels sont mes projets. Dans combien de temps je compte me marier? Est-ce que je compte avoir des enfants? Ah. Tout ça. Elle savait que c'était moi. Et je pose comme une question très claire parce que moi, dans mon esprit, c'était là. Et je lui dis, écoute, c'est bien. T'es gentil, t'es bête, tout ça. Mais tu te projettes comment dans le mariage? J'ai pas dit que moi, je vais me marier dans tel truc. J'ai dit, je lui pose la question. Comment toi, tu te projettes? Tu te maries dans... Voilà, parce que moi c'était très clair. T'es dans la saison. On vous entend plus. Vous m'entendez là? Oui, ouais, parce que j'ai reçu un appel. Voilà, j'ai reçu un appel. Et du coup, je lui dis, tu te projettes comment dans le mariage? Si tu dois te marier dans un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, comment toi tu vois les choses? Elle m'a dit, moi je suis prête. Parce qu'elle avait déjà eu sa préparation, elle. Vous voyez? Carrément. Elle était déjà prête. Je lui dis, mais si tu te maries dans sept mois, un an, ça te dit... Ça va te gêner. Et moi, je posais juste des questions parce que je tâte le terrain, je veux juste savoir. Ouais. Parce que moi, je savais ce que j'avais senti dans mon esprit. J'avais eu, parce que moi, Dieu me parle beaucoup par une forte conviction. C'est comme ça que Dieu me parle régulièrement. Où tu sens que tu sais que tu es dans le lieu. Tu sais que tu sais que tu sais que c'est ça. Ouais. J'ai dit, tu te vois comment, toi? Et là, c'était un interrogatoire. Hein. Ah, c'est parce que je pose des questions, moi. Tu te vois comment? Tu te vois comment? Tu te vois comment dans le ministère? Tu te vois comment avec ton mari? Et là, c'était un interrogatoire. Ça, pendant toute cette soirée-là, c'était question sur question parce que lui, du coup, il était focus ministère. Et du coup, il ne voulait pas avoir un boulet. Il me faisait bien comprendre, moi, ma femme, il ne faut pas que ce soit un boulet. Il faut qu'elle puisse me soutenir. Là, il m'exposait vraiment ses attentes. Moi, j'ai besoin d'avoir une femme qui est là. On n'était pas en train de parler d'une femme qui prêche et tout ça. Hein. Non, 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 mais voilà. Si le Seigneur me dit je dois partir au fin fond de la Pologne, et c'est pas de ah non non, c'est oui on y va, Dieu a dit on y va. Il était vraiment, il me posait des questions, il essayait de me concerner sur plein d'aspects pour savoir est-ce que ça va vraiment matcher, parce que avant on se parlait dans une optique de frère et sœur. C'est ça. Là, maintenant, on se parle sous une autre optique. C'est pas la même vision. On va pas au même endroit là. On parle d'une alliance, quelque chose de divin où on joue pas. Là, c'est même. Là, c'est une destinée qui est en jeu. C'est voilà. C'est aussi l'obéissance au Seigneur, être dans la volonté du Seigneur, et ça a plein de conséquences. On n'est pas en train de jouer. Donc il était vraiment là dans cette optique de. Donc là, j'ai dit OK, Seigneur. Là maintenant, il a compris. Mais voilà, est-ce que ça va vraiment bien suivre son cours? Parce que ça a toujours été fluide, hein. C'était quand même une... Voilà, on n'était pas là, oui, j'ai rien à te dire. Non, 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 on avait toujours quelque chose à se dire. Toujours. Waouh! J'aimerais juste souligner ça. Le fait que vous ayez toujours quelque chose à vous dire, que vous communiquiez très souvent, bien sûr, dans des lieux publics, tout ça, on a bien compris ça. En fait, vous aviez une belle amitié. Au-delà de tout, au-delà de ce que vous saviez, enfin, surtout que Gwen savait par rapport à votre futur en tant que mariée et ainsi de suite, vous étiez des amis, je crois. C'est ça. C'était la complicité, on rigolait beaucoup. Et c'est ça qui a fait qu'on a toujours bien rigolé. Ça veut dire qu'on n'était jamais dans une optique de séduction, mais on était toujours dans une optique avec un cœur très... très, très sain, très joyeux, toujours pour rigoler, rigoler, rigoler. C'était vraiment ça. Mais on
temps en temps, voilà, on avait des moments très sérieux où bah, voilà, on discutait sur la parole. Ouais. On avait des débats comme ça. On pouvait rester au téléphone 3 heures, 4 heures, 5 heures d'affilée. Wow. Soit il travaillait, soit moi j'allais à l'école. On était obligés de raccrocher. Et comme je vous disais, j'étais hébergée. Et du coup, je sortais dans la rue pour pouvoir téléphoner. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est quand vous rencontrez quelqu'un aussi, c'est pas tous les gens qui vont être heureux pour vous. Il y a des gens, que ce soit votre famille, que ce soit vos amis, et ça, on n'en parle pas assez souvent. Mmh. Les gens, c'est pas tous les gens qui vont vous dire « Amen, gloire à Dieu, ma soeur, je vais jeûner pour toi, je vais me tenir en prière pour toi. » Non, il y a des gens, même au sein de votre famille, même votre soeur là, qui est là tous les jeudis, lundis, tout ça avec vous. Le jour où votre bénédiction va arriver, le Seigneur va dire « C'est maintenant que tu vas te marier. » La soeur là qui attendait ça, elle va dire C'est ça. Elle va commencer, comme on dit aux Antilles, elle va mettre sa bouche longue. Et elle va dire Et c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir le discernement pour savoir qui sont les alliés, qui vont vraiment soutenir ça, vision, que ce soit les fiançailles, que ce soit le mariage, des personnes avec un cœur vraiment vrai, un cœur d'amour. Très important. Tenir avec vous dans la prière, dans le jeûne, dans l'enseignement. Pas quelqu'un qui va être là et qui va vous envier, qui va vous jalouser, qui va dire je vais essayer de voler sa bénédiction. Non, je veux me marier avant elle. Non, je veux me marier avant lui. Il est hors de question que la dot soit faite avant ma dot à moi. Non. Franchement, que vos yeux soient ouverts, que ce soit sur votre mari, que ce soit sur votre femme, que ce soit sur les personnes qui vous entourent. Il faut vraiment les ouverts. Yes. Faut vraiment avoir les yeux très ouverts parce que malheureusement, c'est pas tout le monde qui est bon, c'est pas tout le monde qui est gentil, c'est pas tout le monde qui se réjouit de vos bénédictions, de votre bonheur, c'est pas tout le monde. Et malheureusement, on l'oublie. C'est pas parce qu'on se dit chrétien qu'on se veut tous du bien. C'est pas vrai. On n'est pas dans un monde gentil. On n'est pas du tout dans un monde gentil. C'est pas parce qu'on est tous dans la même église, on est tous corps de Christ, qu'on se veut tous du bien. Il faut avoir du discernement. C'est pas vrai, ça. Wow. Les gens ne sont pas forcément heureux pour vous. C'est pas vrai. Protégez-vous. Et c'est pour ça que, du coup, quand on a décidé, on s'est mis ensemble, du coup, au mois d'avril. Ok, attends, les amis. Moi, j'aime bien comprendre les transitions. C'est ça. Il faut qu'on comprenne bien les transitions. Moi, je suis encore à monsieur qui voulait voir la marchandise. Il a pas encore bien dit s'il a aimé la marchandise ou pas. Ah, justement, je vais y entrer. Donc, du coup, je vois que je parle bien avec la personne. J'ai entendu ce qu'elle m'avait dit. Je dis, bah, écoute, maintenant, il faudrait qu'on puisse se voir. Parce qu'en fait, moi, comme j'avais expliqué, j'étais un peu aveuglé par rapport à tout ça. Je ne l'avais pas vraiment vue. Je savais qu'elle était métisse, mais fine, des lunettes et tout. Je savais ça, mais sans trop. Donc, moi, je voulais voir, en fait, la marchandise. Il faut que je vois. Enfin, voilà, il faut que je la regarde. Voilà. Parce que moi, j'ai compris une chose, c'est que dans le mariage, il y a l'aspect spirituel. Il y a l'aspect fraternel, le domaine amical, la bonne entente. Et par contre, il faut que je sois fier de marcher avec elle dans la rue, quoi. Physiquement. C'est pas que ça. Mais moi, pour moi, c'est quand même un aspect. Je dis, premièrement, il faut qu'elle soit en Christ. Très important. Très important. Premièrement, en Christ. Mais moi, après, ça, c'est moi. C'est moyen que moi. À d'autres, premièrement, en Christ. Et deuxièmement, il faut qu'elle soit belle pour moi. Voilà. Absolument. Il faut que je sois fier de marcher avec elle. Est-ce que vous comprenez? Tout à fait. Et il y a une chose que j'avais oublié de vous dire. Et ma sœur est dans le live. Elle vit actuellement du secteur de... C'est où, Phoenix? Que Dieu entende ce que je veux dire. Elle est là. Victoria, si tu es là. Les cousines aussi. Les cousines sont là. J'avais toujours dit, quand j'avais l'âge de 12-13 ans, ma femme sera métisse. Waouh. Et ma sœur, si elle est connectée, vous allez voir Vicky Roche, si elle est connectée ou autre. Vous allez voir, j'ai toujours dit ça depuis très longtemps, mais j'avais oublié ça. Waouh! Et c'est ma petite soeur qui m'a dit, ouais, mais toi, tu t'en souviens pas quand tu étais petit, tu dis que tu voulais te marier avec une métisse. J'avais carrément oublié ça. OK? Donc, du coup, je la vois, mais je vois que bah, le premier critère métisse, bah, c'est une tismée, parce que nous, on dit ça comme ça chez nous. Une tismée, tu vois. Ah, c'est une tismée, je fais, OK, je vais la voir. Je fais, ah ouais.
Et là, je fais, ouais. C'est ça qu'on voulait entendre, oui. Parfait, ouais, parfait. Là, c'est ça qu'on veut entendre. Là, maintenant, c'est sérieux. Elle est métisse. Elle est belle. Elle est fine comme moi, je veux. Elle aime Dieu. Elle a la crainte de Dieu. Elle est prophétique. On prend le paquet. Là-dessus. Et attendez. Quand j'ai su dans mon esprit, forte conviction dans mon esprit. Parce qu'en fait, moi, je ne suis pas une personne qui va essayer de faire du love partout. Non, non, non. Parce qu'il y a des gens, tu vois, ils sont en train de dire amitié homme-garçon. J'étais, au départ, je n'étais pas dans ça. C'était partenaire du ministère. Attends. Ouais. Wow. Oui, mais par contre, il n'a jamais cherché à ce qu'on soit best friend. Non, 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 non. Moi, j'y crois. Ça, c'est mon avis. J'y crois pas. Ça, les BI, je ne sais pas quoi. Et surtout, une fille belle, une fille de ton caractère, elle est comme, comme toi. Comme, en plus, elle est toute écrite et puis tu t'as baillé. C'est ça, ouais. Il n'a jamais été dans une optique de oui, on va devenir meilleur ami ou non. Jamais. Wow. Pour moi, c'était partenaire du ministère. Et c'est pourquoi chaque fois que je prenais mes dispositions, je voyais une approche trop proche, sécurité. Je me protégeais. Non, ouais, ouais, absolument. Sécurité. C'est ton histoire. C'est ton histoire. Et du coup, absolument, ouais. Absolument. Je la vois, je fais ah ouais, là, c'est bien. Donc, on a eu notre moment de réflexion. J'ai eu la forte conviction dans mon esprit. Et une fois que j'ai eu la forte conviction dans mon esprit, Elle habitait depuis. J'ai dit, écoute, je suis un serviteur de Dieu. Et je ne fais pas des trucs cachés. Et j'ai beaucoup de révérence à mon père, l'apôtre Pierre-Yves Chauveau. J'ai dit, écoute, si c'est réellement du sérieux, je vais aller voir mon père. On va aller voir mon père ensemble. Mon père était... c'est à Lévis qu'on l'a vu, Gwen. Il était, à l'époque, son bureau était en bas. On toque. Je dis, papa, j'ai besoin de te parler. Il m'a dit, venez à telle heure et tout, ta-ta-ti-ta-ta-ta. Et on entre dans son bureau, je toque. Je dis, papa, écoute, j'ai un truc à te dire. Voilà, et t'étais avec moi, hein, c'est bien ça. On arrive, on est ensemble. Je fais, écoute, on tourne autour du pot. Et mon père, vous savez, vous le connaissez. Hein. Allez, dites-moi tout, là, allez, là, dépêchez-vous. C'est ça, dès qu'il vous a vu, il avait compris. Il avait compris. Et en plus, c'était lui qui l'avait envoyé dans la salle. Oui. Ouais. Et là, on l'a lui ramené. C'est lui. J'étais pas au courant à l'époque. Il arrive, je dis, papa, écoute, j'ai envie de fréquenter Gwen. Voilà ce que je sens, que voilà, elle parle, on parle. Et après, mon père, c'est pour ça que j'aime beaucoup mon père. Parce qu'en fait, il ne va jamais vous donner un avis pour vous défier. Il va dire, ok, donc, priez et on se revoit dans combien de temps? Il a dit 2 semaines? Il nous a dit prier et on se revoit on devait se revoir la semaine d'après. La semaine d'après, prier. Il n'a rien dit, hein? Il n'a pas dit « c'est bien, c'est mauvais ». Non, il a dit « priez, on se revoit dans une semaine ». Donc lui, il priait, nous, on priait de notre côté et on devait se revoir pour en discuter. Mais entre-temps, du coup, certaines personnes à l'église avaient déjà vu que… Là, il y a un truc là qu'on va rentrer dedans. Là, ça va être très intéressant pour les frères et sœurs. Comme moi, j'étais très pudique, je ne voulais que personne ne sache tant que le truc ne soit pas officiel. Quand je voulais venir la chercher ou autre, on arrivait dans la ligne droite de l'église où quand on partait, je la posais, je partais en voiture. Elle marchait juste 100 mètres. On arrivait au con, elle marchait, j'arrivais, je me garais, j'entrais dans l'église. En fait, il venait me chercher chez moi. Voilà. Ouais. Il me déposait à 200 mètres de l'église. Ouais, et lui, il allait en voiture. J'allais en voiture. Et moi, j'arrivais à pied après quand lui était rentré. Déjà dans l'église. Sans passer. Et pareil, pour rentrer, c'était pareil. Je partais. Elle partait avant et je la récupérais. On se faisait signe discrètement. Je partais à pied et il me récupérait en voiture un peu plus loin pour que personne puisse voir. C'est waouh! Parce qu'il faut vraiment protéger. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Dans le monde spirituel, il y a des gens qui voient et qui ont un bon cœur. Mais il y a des gens aussi qui voient et qui n'ont pas un bon cœur. Et tant que le truc et pas scellé, bien solide, il faut protéger, il ne faut pas s'exposer. Si Dieu nous a dit la sagesse, c'est qu'il y a une raison. S'il nous a dit de veiller, prier sans cesse, c'est qu'il y a une raison. On doit aussi faire notre part et avoir la sagesse. Les gens ont déjà vu qu'il y avait un feeling, il y avait quelque chose entre nous parce qu'on ne peut pas... y avait quelque chose. Dès que les cultes étaient terminés, il fallait qu'on aille se voir. Et moi, je servais dans l'église. Du coup, j'avais commencé à servir, j'étais à l'accueil.
Donc, du coup, c'était marrant parce que moi, j'arrivais avant lui et je lui ouvrais la porte et on devait quand même garder un peu de distance. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Voilà, je t'ouvre la porte et puis, alors que c'est toi qui m'as déposé. Il faut un peu de, il faut un peu de comédie. Voilà. Ah oui, 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 on l'a, oui, on voit ça. En fait, c'était simplement juste pour simplement dire une sagesse. C'est que tant que quelque chose n'est pas scellé et officiel, ne le dévoilez pas. Parce qu'il y a plusieurs personnes sur les réseaux sociaux, ils connaissent une personne, ils sont en train de dire « c'est mon gars, c'est ma go, c'est tout ça ». Et puis tout après, Satan dit « ah, information, on attaque, on casse ça ». Non, nous, on a voulu être tranquille. Ouais. Comme la venue de Jésus. Il fallait qu'on le cache dans une étable parce qu'il y avait des gens qui étaient venus. Le roi Hérode avait envoyé des envoyés pour détruire Jésus. Il a fallu que la sagesse divine vienne sur Marie, sur Joseph, pour lui dire, ne descendez pas dans tel endroit. Il y a des choses qui arrivent. Exactement. C'est pourquoi quand ils ont entendu que Jésus devait venir, le roi Hérode dans le monde spirituel, et quand on parle du roi Hérode, on parle de l'ennemi. Et dans le monde spirituel, il y a des autorités, il y a des choses qui sont venues lancer. C'est pour ça qu'il faut être très sage. Quand Dieu te donne un rêve, vous avez vu pourquoi Joseph est tombé. Pourquoi Joseph a eu des problèmes? Il a commencé à parler des rêves. Je voyais ma gerbe être au-dessus de vous. Je voyais tout ça. Ah bon, toi? Citerne. Ah bon, toi? Prison. Très important. Commencer à parler, c'est pas qu'il faut bien faire attention. C'est pas toujours le temps. C'est pas exactement. Parler, il faut que ça arrive très à important. Maturité. Il faut vraiment que ça puisse arriver à maturité. Très exactement. Important. Exactement. Surtout qu'il était responsable de la jeunesse. Et moi, je servais dans l'église, c'est à l'accueil, etc. Mais j'étais jeune, sous son leadership aussi. Donc, ça fait désordre. Le responsable des jeunes, non seulement il est responsable des jeunes, mais en plus, il est pasteur et il est là en train de rigoler. Regardez juste une simple chose, juste de manière éthique. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris il n'y a pas très, très, très longtemps sur le domaine de l'éthique. Tu es responsable des jeunes. Je leur enseigne, faites attention aux fréquentations. Et ils voient que Jordan n'a rien d'officiel. Il transporte une fille dans sa voiture. Ah, sûrement ils font les bails. Attention. Non, mais c'est de manière éthique, c'est super important. Tout à fait. Super, super, très, 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 très important. Et du coup, pour protéger tout ça, on a aussi tout de suite. C'est pas genre, on est resté 3-4 mois et puis après, on est parti voir le pasteur. C'est tout de suite. Quand vous étiez sûr que vraiment, on prend la décision de marcher ensemble. Quand j'ai eu la conviction, elle avait déjà. Ouais. Elle avait la conviction. J'ai eu la conviction. C'est là que j'ai dit, moi, je crains Dieu, je vais aller voir mon père. C'est mon autorité spirituelle. Et du coup, le pasteur, après, du coup, la semaine est passée. Et là, le pasteur a revu avec maman pasteur. Maman pasteur était là. Donc, du coup, il y avait Jordan, maman pasteur, pasteur et moi-même. Et là, il a dit, OK. On a tous réfléchi. OK. On n'y voit pas d'inconvénient. Il n'y a pas de problème. C'est OK. Et du coup, le dimanche d'après, ou je ne sais plus, très rapidement, je ne sais plus si c'est le dimanche d'après ou le pasteur, semaine après. C'est pour ça que j'aime beaucoup mon père, la côte Pierre Chevaux, c'est mon père spirituel. Il a fait, quand il a su que moi, j'avais la forte conviction, c'était ça. Elle avait déjà ça. Il a officialisé ça devant l'église. Donc, du coup, c'était au mai 2000. Pas fiançailles, attention. Là, c'était pas des fiançailles. Il a juste simplement dit... Je veux juste vous prévenir 2016. Que le responsable des jeunes, qui est Jordan, qui est mon fils, est étant simplement fréquentation avec la sœur, telle chose, pour simplement étayer les choses, pour que les ragots, les rumeurs... C'est ça. Très important. Ouais. Ça commençait un petit peu à parler. Ça commençait à parler. Le responsable des jeunes, il fréquente une sœur. Certaines personnes dans l'église changeaient par rapport à elle était appréciée de tous. Mais quand on m'a fréquenté, les gens l'ont fait. C'est ça. Waouh! J'étais la sœur qui, t'es là, t'es à l'accueil, tu es joyeuse. Et après, dès que ça a été officialisé, les gens ont changé. Waouh! Je suis passée d'une simple sœur à, entre guillemets, fiancée du responsable des jeunes. Et là, c'est comme si... Mon statut a changé. Les gens ont commencé à... L'étiquette que lui avait, les gens l'ont mis sur elle. Ils m'ont mis la même étiquette. Ah oui. Orgueilleuse. Ouais. N'a pas le temps pour les gens. Waouh. Dans son coin. Trop sérieux.
Alors qu'elle n'était pas comme ça. Alors ça. Que tout n'est pas changé. Il y a elle n'a pas changé. Il y a juste une officialisation comme quoi ouais. Enfin, on se fréquente parce qu'il est responsable des jeunes, fils du pasteur, faut qu'il y ait de l'ordre, etc. etc. Ouais. Mm-hmm. L'étiquette, on me l'a attribuée aussi. Je suis passée de professeur à personne. Les gens vont. Les gens vont toujours parler. Ça, ça, toujours ça, parler vient, ça vient avec le niveau d'élévation. C'est pas n'importe qui avec qui tu es en train de te mettre ensemble. C'est ouais. Le fils du pasteur, très connu. Très beau, peut-être que plusieurs femmes très le voulaient, très convoité, et peut-être que ouais. T'étais pas la seule à avoir un œil sur lui. C'est et ça. Voilà, finalement, on sait c'est qui ouais. Que c'est pour qui son cœur a cédé. C'est et ça. Voilà, il faut mettre tout plein de trucs autour. Et en plus, les gens savaient qu'il était très strict. Ouais. On le voit même dans sa manière de partager son histoire. Mais on oui. Voit vraiment que la sanctification c'est très important pour mm-hmm. Lui. Et vraiment, on bénit le Seigneur pour ça. Donc, c'est sûr que ça a été une belle surprise de voir que, waouh, toi, tu as pu finalement passer au travers de toutes ces barrières qu'il avait. Vraiment, vraiment. Vraiment, en tout cas, je ne doute pas que les gens se soient, en tout cas, parlés entre eux. Et en tout cas, nous, on rend seulement gloire à Dieu parce qu'à la fin, c'est toi qui es à ses côtés, c'est toi qui l'as choisi, c'est toi qui l'as épousé. Et du coup, vous vous êtes mariés quand? On s'est mariés le 18 mars 2017. Oui. Donc, en fait, on s'est fiancés plusieurs mois après, on s'est fiancés. Ça veut dire que ça s'est vraiment accéléré. À on s'est mis ensemble. Ça a été officialisé devant l'église. Oui. Ça a été officialisé. Et après, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Hein. Franchement, c'est amen. De septembre 2015 où il part à Londres. Et ouais. Après, là, avril, on est ensemble. Mai, on est fiancés. Mars de l'année d'après, on est mariés. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça, franchement. C'est... Waouh! Non, incroyable. Définitivement, on sent au travers de votre histoire que le Seigneur a vraiment tout orchestré pour que la gloire lui revienne à la fin. Vraiment, en tout cas, couple Chobeau, merci pour votre transparence. Ouh merci pour votre sincérité. Et encore une fois, je salue, même si on peut sentir que Jordan était très, très sévère au départ et tout, en réalité, il voulait juste rester dans la sanctification. Absolument. À la absolument. Fin de la journée, il avait juste l'amour pour l'œuvre de Dieu, l'amour pour le ministère. Oui, c'est vrai, il a vécu certaines choses comme il mm-hmm, l'a dit, mm-hmm. Mais on ne peut pas passer réellement par-dessus le fait que la sanctification était réellement quelque chose qui le tenait à cœur. Il se battait pour préserver ça. Et même Gwen, tout en étant consciente que l'homme de sa vie est réellement une personne qui ne la calcule même pas, bah, elle essayait quand même du mieux qu'elle pouvait d'agir avec sagesse, mm-hmm. De façon à ne pas s'exposer, à ne pas poser des actions qui la feraient paraître comme une psychopathe, comme vraiment, elle a dit elle-même. Vraiment. Et ça n'a pas dû être facile pour elle. C'est qu'en même temps, ta chair te pousse peut-être à juste lui dire, mais dis-le que tu l'aimes, dis-le si, dis-le ça, parce que il passait de longues heures au téléphone. Elle aurait pu cracher le morceau depuis longtemps, mais elle se retenait puis elle attendait le temps de Dieu, ouais. Les circonstances ouais. Divines. Ouais. Et même encore là, elle a tourné autour du pot pour savoir comment le dire sans non plus avoir l'air de celle qui était juste désespérée. J'attendais juste que tu remarques. Et même quand elle a dit, mais c'est parce qu'on va se marier, d'autres ouais. Personnes pourraient dire, oh ben là, voilà, c'est la femme qui s'est prononcée. Non, non. Elle savait que le gars aussi, au fin fond de lui, il savait, mais... Juste une petite pousse comme ça, ouais. Mon ami. Tu vois pas, mais ouvre les yeux. Et voilà. Et elle l'a dit d'une manière sage. Ah, mais oui. C'est pas, oh, je t'aime, s'il te plaît, prends-moi. Voilà, non. Voilà. C'est que, et le gars a poussé, hein, parce que je sais que tu sais. Et elle a juste dit, bah écoute, je crois qu'on est appelé à cheminer dans un mariage. C'est ça. Donc, même là, ça a été dit avec tellement de classe, tellement de sagesse. Sans avoir cette dimension charnelle comme si elle était désespérée. Et j'aimerais vraiment insister là-dessus encore une fois pour que mesdames célibataires, vous puissiez faire attention. Mm-hmm. Attention, même si Dieu t'a révélé à l'avance qui est l'homme de ta vie, respecte-toi. Respecte-toi mm-hmm. Dans ta manière de te comporter, dans ta manière de lui parler. Gwen ne s'est pas comportée comme une psychopathe ou comme une obsédée. Hein? Elle gardait réellement sa position tout en sachant qu'est-ce que Dieu lui avait dit. Pourquoi? Parce qu'elle avait confiance à son Dieu. Elle avait confiance. Elle savait que, anyway, si c'est lui l'homme de ma vie, les circonstances vont se créer. Oh, yes. Et il finira par me remarquer, par vraiment réaliser que je suis la femme pour lui. Et ça, c'est important. Tant que tu marches avec cette confiance en ton Dieu, c'est ça qui va te préserver de poser des actions que tu vas regretter. Tu feras les choses poussées par l'esprit.
et non pas par ta chair. Non, c'était tout simplement incroyable. Même le parcours que Jordan a eu, vivre des choses et te dire, tu sais quoi, parce que vous devez comprendre, nous les hommes, quand on vit des choses, c'est bien. On vit des choses, on vit des choses, on vit des choses bien. Mais quand les choses vont mal, et là, c'est comme, paf, c'est fini. Mmh. Quand on est ferme sur une décision, on est ferme sur la décision. Ouais. Quand on dit que maintenant, on va commencer à marcher comme ça, on commence à marcher comme ça. Ouais. Et, mais j'ai aimé le fait qu'ils soient transparents, qu'ils disent que même s'il y avait eu des choses qu'on pourra même parler par la suite et tout, j'ai pu quand même entendre que waouh, le Seigneur me voulait vraiment à telle position. Il me voulait vraiment avec Gwen. Mais moi-même, il fallait que j'aie mes propres convictions et tout et tout. C'est ça. Et ça, c'était merveilleux de l'entendre et de comprendre que on peut faire du chemin avec le Seigneur. C'est ça. On peut être à un niveau et le Seigneur nous travaille juste à temps que, même si on sera jamais peut-être parfait, on tend vers cela. C'est mais au moins, on sait qu'avec le Seigneur, c'est lui qui nous prépare réellement. Oui, et quand lui nous donne le go, c'est réellement le go. Et j'apprécie le fait que tu dises que tu respectais vraiment ton église, tu respectais le ministère, tu respectais tes parents. Et c'est pas facile. Très souvent, on pense que, ah ouais, mais les fils de pasteurs, ils sont juste bizarres et tout. Non, il y a beaucoup de pression et il y a beaucoup d'attentes. Il y a beaucoup de choses qui reposent sur les épaules de fils de responsables, de fils de pasteurs, de filles de pasteurs, de filles de responsables dans nos églises. C'est exactement pas toujours évident. Ouais. La réalité, c'est que des fois, ils voudraient même être relax comme tout le monde, mais des fois, ils ne peuvent juste pas à cause, justement, de leur des responsabilités qu'ils ont. Et ça, c'est très, très important de le mentionner. Ouais. Et on l'a vu tout au long de l'histoire. Franchement, merci. Et puis, on veut aussi encourager, peut-être que toi, tu nous écoutes et tu es dans une période de fréquentation. Mmh. Et peut-être que tu n'as pas nécessairement fait des choses qui... en tout cas, tu as fait des choses qui finalement ne glorifiaient pas le Seigneur. Peut-être que tu regrettes le parcours que tu as eu. Peut-être que vous êtes tombé dans le péché, notamment dans le péché sexuel. Mm-hmm. Peut-être vraiment, en tout cas, dans ton parcours, tu as fait des choses dont tu regrettes aujourd'hui. Surtout en écoutant ce témoignage, je te dis, mon Dieu, moi, en tout cas, je suis très loin de la sanctification. Mais écoute, on aimerait t'encourager en te disant que tu peux toujours prendre un nouveau départ. Le Seigneur, là où il est, il ne te rejette pas, il ne te juge pas et surtout, il ne te condamne pas. OK? Il est capable de pouvoir faire en sorte que ta situation change. Tout ce qu'il te faut, c'est de prendre cette décision-là, de te dire, Seigneur, j'aimerais réellement que ma vie amoureuse puisse te glorifier. Et nous sommes les meilleures personnes pour t'encourager de ce côté-là parce que, hé, si tu lis ça là, tu vas comprendre, du scandale au miracle. On n'a pas fait les choses comme le couple Chobo, nous autres. On était très loin de leur réalité. Nous, on ne se voyait pas dans des lieux seulement publics. Nous, on ne se voyait pas seulement quand il y avait des jour, gens. Quand le y a jour, la voilà. Donc, on a fait des choses que, malheureusement, on en a mangé les conséquences. Ah oui. Mais si on est là aujourd'hui, c'est pour te montrer que Dieu est capable de quand même relever les gens. Dieu est capable de pardonner, de laver et de purifier, d'enseigner, de briser pour finalement te redresser. Voilà. Nettoyer par son sang. Ah oui. Donc, peu importe qui tu entends cette histoire, sache que it's not over for you. OK? Ne te culpabilise pas. Que le diable ne te dise pas ce soir que t'as vu, hein. Eux, t'as vu comment ils sont saints. T'as vu comment eux, ils sont des exemples, des modèles. Toi, regarde-toi. Toi, t'es là dans la boue du péché. Vraiment. Non. Vraiment, sois fortifié, sois édifié, sois inspiré. Et que ça puisse réellement t'encourager à simplement te rapprocher davantage du Seigneur. OK? Avant de laisser partir le couple Chobo, vous savez qu'on a un quiz pour nos chers invités, le Love Quiz du Double Date. On ne peut pas les laisser partir sans leur poser ces trois petites questions qu'ils doivent répondre de manière spontanée. OK? Alors, première question, couple Chobo. Qu'est-ce que vous aimez faire ensemble? Rien. Se taper des barres, rire. Jusqu'à en avoir mal au ventre. Mal au ventre, t'as mal aux abdos, elle se roule par terre, elle rigole. On arrive à faire sorte des chaussettes, on rigole. I love that. Deuxième question. Décris ton partenaire en un mot. J'espère que tu ne vas pas dire la petite. Parce que ce ne sera pas accessible. S'il te plaît, s'il te plaît. Comment je peux la décrire? Je l'appelle le discernement. Oh. Wow.
Ouais. Et toi, Gwen? Moi, c'est le persévérant. Ça veut dire que peu importe ce qui se passe, il va toujours trouver une solution. On est là, on lui dit oui, il y a telle chose, il va tout organiser, logistique. Il trouve toujours les problèmes. Il est anti-problème. Il aplanit le problème, il écrase le problème, il le fait disparaître. Discernement, persévérance, that's a power couple. Ça, c'est mon gars. That's it. Troisième question. Quel est le personnage ou le passage biblique, en tout cas, qui vous représente le plus ou qui vous interpelle le plus? Ou bien qui vous inspire vraiment en tant que couple? Ouais, en tant que couple. En tant que couple, hein, ce qu'on s'était dit la dernière fois, c'était « mon peuple périt par manque de connaissances ». Ça, c'est quelque chose que je répétais souvent, tout au long, même maintenant. Hein, c'est tout le temps. Un verset qui est resté depuis le commencement jusqu'à maintenant. C'est la Moi, j'étais en train de périr loin de mon mariage, faute de connaissances. Tu vas nulle part. Le manque d'information, t'es pas sensible aux choses. Le manque de connaissances t'amène à périr. Et à chaque fois, ça se construit au niveau de ça. Tout le temps, à chaque fois, ça. Mon peuple périt. Faute de connaissances. Manque de connaissances. Waouh! Coupe le chevaux, vous savez que c'est la deuxième, vous savez que c'est la deuxième saison, hein. Oui. Vous savez que ce n'est pas la première saison. Hein. N'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? Donc, vous savez qu'il faut qu'il y ait un bonus spécial. On voudrait voir juste un petit bisou, un petit bisou. Ça, c'est bonus. On veut juste voir un petit bisou. Hein. Vraiment, on n'est pas religieux. On veut juste voir un petit bisou. Un bisou, les amis, si vous êtes d'accord, mais oui. un petit bisou, ben oui, juste un petit mot, mais oui, ben voilà, merveilleux, j'aime trop la deuxième saison, ah ben oui, wow, guys, thank you so much, c'était incroyable. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur prenne soin de vous, de votre foyer, de vos enfants, de votre ministère. Oui. Vraiment que le Saint-Esprit puisse continuer de vous guider, de vous orienter, qu'il aiguise encore votre niveau de discernement et qu'il puisse encore faire croître votre caractère de persévérance. En tout cas, nous vous bénissons dans le nom puissant de Jésus. Nous vous aimons de tout cœur. Vraiment, nous nous réjouissons pour le merveilleux couple que vous êtes. Un modèle pour cette génération et je crois vraiment par la grâce de Dieu que de nombreuses personnes à travers le monde ont été édifiées par votre témoignage. Incroyable, merci vraiment, merci vraiment d'avoir accepté notre invitation. Quand même, vous êtes un couple pastoral, si un des deux peut juste élever sa voix juste en 15 secondes, en 30 secondes, juste pour bénir tout simplement le peuple de Dieu, et on va terminer comme ça. Ouais. Père, dans le nom de Jésus, Seigneur, je veux te rendre grâce, Seigneur, pour ce que tu as fait ce soir. Seigneur, je veux te remercier, Seigneur, pour le couple Kumpesa, Papa. Je veux te rendre grâce pour eux, Papa. Je prie réellement, Papa, que tu puisses leur ouvrir les portes à l'international, Papa, que ce genre d'émission, Seigneur, puisse être mis, Seigneur, Papa, sur les télévisions, Seigneur, Père. Je prie dans l'autorité du nom de Jésus-Christ, Seigneur, Papa, que tu puisses conduire, Seigneur, ces double dates, ces futurs, Seigneur, double dates, Papa. Je prie qu'ils soient des quinzaines de milliers, des centaines de milliers, Seigneur, Papa, connecté à cette émission qui va restaurer les familles, Seigneur. Car, Seigneur, Seigneur, comme toi, tu déclares, Seigneur, Papa, c'est que, Seigneur, les familles composent la société, Seigneur, Papa. Et ils sont en train de bâtir les familles, Papa. Je prie, Papa, que tu leur ouvres des portes, Papa, à l'international, en Europe, en Asie, en Afrique, Seigneur, Papa, aux États-Unis, partout, Papa, où ils iront, Papa. Je prie, Seigneur, que cette émission, Seigneur, leur ministère, Papa, puisse s'ouvrir partout, Papa. Parce qu'il y a des familles qui sont en train de se mourir, Seigneur, Papa. Seigneur, je te remets également toutes les personnes qui ont été connectées ce soir, Seigneur Père. Je prie, Seigneur, que la restauration, Seigneur, vienne, Seigneur, pour chacune de leurs mains, que ceux qui étaient tombés se relèvent, Seigneur Papa. Que ceux qui étaient détruits soient restaurés, Seigneur Papa. Et que la puissance du Saint-Esprit, Papa, pénètre leur cœur, Papa. Et que ceux, Seigneur Papa, qui avaient perdu leur foi en toi, Papa, qu'ils reviennent en toi, Papa. Que ceux, Seigneur Papa, qui étaient abattus reviennent en toi, Seigneur. Seigneur, c'est toi qui as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous trouverez du repos pour du repos. Seigneur Papa. Que ceux qui n'avaient pas de repos pour leur âme, Seigneur Papa, puissent recevoir le repos, Papa. Et c'est toi qui as déclaré en Romains chapitre 8, Seigneur, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux et celles qui sont en Jésus-Christ, Seigneur Père. Je déclare, Papa, que le poids de la condamnation qui était sur chacun, Seigneur Papa, que ce poids est lâche maintenant,
au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, car ils sont en Christ. Le poids de la condamnation n'a plus d'autorité sur eux. Je les déclare qu'ils sont libérés par le sang, libérés maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Oh, wow, wow, incroyable. Les ce amis. Que vous faites là, le Seigneur m'a dit clairement, vous allez être copié, vous allez être imité. Les gens vont vraiment chercher à faire comme vous, des concepts de couple, fiançailles, célibat. Mais il m'a bien fait comprendre qu'il va vous distinguer. Ça veut dire que peu importe le nombre de pages Instagram, peu importe le nombre de pages Facebook, canal YouTube, tout canal Telegram, chaîne YouTube, tous ces trucs-là, il va vous distinguer. Pourquoi ? Parce qu'il vous a réellement appelé, établi et consacré pour ça. Et peu importe les copier-coller que les gens essayent de faire, vous ressortirez toujours du lot, toujours. Amen. Vous aurez toujours les prémices de ça. Pourquoi ? Parce que on peut copier, mais si c'est pas de Dieu, ça n'a pas d'impact. Et la preuve de cet impact, c'est ce livre-là qui va bénir et qui va édifier beaucoup. Vendu par millions. Beaucoup. Amen. Reçoit. Recevons cela. Que vous ayez des commandes qui sortent de Chine, que des commandes sortent d'Europe, que des commandes sortent d'Amérique, que des commandes sortent d'Europe, que des commandes sortent d'Amérique, de tous les continents. Nous voulons le traduire dans toutes les langues. Oh yes, yes. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est sa sensibilité. Comment s'appelle ta page de business, Joy? Homme distingué. Et elle a dit, vous serez distingué. Voilà. Amen. Yes. Merci beaucoup, les amis. En tout cas, c'était vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je voulais simplement rendre grâce au Seigneur, rendre grâce à mon père spirituel, l'apôtre Pierre-Yves Chaubault, le visionnaire de la Chapelle de la Foi, qui m'a donné l'opportunité avec son autorisation d'être là, parce que je suis pasteur, mais je suis soumis à quelqu'un. Amen. Absolument. Amen. C'est quelque chose de très important. Un serviteur était venu voir Jésus, il a dit, mais de la telle manière que moi aussi je suis soumis à d'autres personnes, moi aussi je suis soumis à les autorités. C'est une chose qui est très importante. Amen. Et je voudrais aussi saluer aussi le ministère Christ en Action. Papa maman Suzy, merci pour le fait d'avoir relâché vos enfants spirituels, la bénédiction qu'ils sont pour le monde entier. Et c'est pour ça, moi, ce que j'aime, c'est toujours honorer les pères et les mères. Yes. Donc, je veux aussi saluer ma maman d'amour que j'aime beaucoup. Oh. Et c'est quelque chose d'important parce que ce n'est pas derrière un grand homme, à côté. Absolument. D'un grand homme se tient une grande femme. Est-ce que vous comprenez? Amen. Absolument. Et ma mère, et si mon père est devenu ce qu'il était, c'était à cause de ma mère, OK? Yes. Et je sais que moi, je suis ce que je suis, premièrement par la grâce de Dieu et par rapport aussi à elle. Parce que vous savez une chose, juste pour terminer, la grâce que j'ai, c'est que Dieu avait vu que j'étais parfois aveugle sur certains endroits, puis il me donne une femme qui voit. Donc ça veut dire que là où les gens font des efforts, j'en fais des efforts, je cherche Dieu moi-même, mais j'ai un phare à côté de moi. C'est ça. Alerte, alerte. Alerte, telle personne. Et à chaque fois, les choses, tout ce qu'elle me dit, ça ne manque jamais d'arriver. Oh, donc, juste pour simplement dire aux personnes, je ne suis pas parfait, mais Dieu, ce qu'il a fait, c'est qu'il a commencé à transformer mon cœur, OK? Et qu'avant, je ne voyais pas la valeur de mon épouse. Mais là, maintenant, quand je vois dans le match, plus j'avance, plus je me dis que j'ai un trésor à côté de moi. Amen. Vous voyez, ça passe d'une personne inconsidérée, de la petite, à mon phare. Carrément. Voix, celle qui me prévient. Qu'un homme puisse réellement recevoir cela, qu'un homme puisse réellement avoir réellement cette sensibilité à comprendre la valeur de la personne à côté de lui. Vraiment merci beaucoup, soyez bénis, super émission. Merci à tout le monde aussi qui ont participé. Yes. Merci, vous avez été nombreux ce soir et vraiment nous bénissons le Seigneur pour ça. Merci aussi à notre précieuse équipe de Couronne d'amour. Vous étiez présents vraiment pour nous assister et pour réellement assister le peuple de Dieu avec nous. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Nous sommes très bien entourés et nous bénissons le Seigneur pour ça. Nous bénissons le Seigneur. Merci. On se revoit la semaine prochaine pour
la deuxième émission de la deuxième saison du Double Date. Double Date. Peace, people. Yes. Bye, guys. Bye. Merci beaucoup.